Ouais, shalom, shalom. Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, depuis Paris. Voilà, depuis Paris, en cette date aujourd'hui, du jeudi 28 juin 2018. Voilà, un enseignement de taille et beaucoup de choses seront dites. Donc, une âme sensible s'abstenir. Voilà, donc... vous allez partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo parce que c'est sérieux ce soir. C'est sérieux ce soir. Tout sera dit. Voilà, sans détour. Et âme sensible s'abstenir parce que beaucoup de choses vont sortir. Shalom à toi Jean-Roch. Shalom à toi le brigadier Donné Champion. Shalom à toi Ben Sabou. Tout sera dit. Pas de tabou, tout sera dit, tout sera dit. Donc, âme sensible, s'abstenir. Ceux qui sont sensibles à la vérité, ceux qui sont sensibles au choc, ceux qui sont sensibles, dégagez. Ceux qui sont prêts pour la vérité, attendent des choses, écoutez la parole de Dieu. Âme sensible, dégagez. Parce que c'est des enseignements de pointe. Et des choses très sérieuses qui seront dites tout à l'heure par la grâce de Dieu. J'ai tellement à dire, voilà. J'ai tellement à dire. Âme sensible, dégagée. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez déjà, partagez. Invitez des gens. Parce que les gens ont besoin de savoir des choses. Les gens ont besoin d'écouter et de savoir des choses. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. L'heure est grave. L'heure est très grave. Je vous annonce que tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien dans ma tête. Tout est zen dans ma tête par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Tout va bien dans ma tête, tout va bien par la grâce de Dieu. Je me porte à merveille, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Bien sûr, c'est cette grâce de Dieu qui me soutient aujourd'hui. C'est cette grâce de Dieu qui me fortifie aujourd'hui. Sans le Seigneur, je ne sais rien, je ne serai rien aujourd'hui. Et je lui rends toute cette gloire, je lui dois ça. Je lui dois ça parce qu'il est merveilleux, je lui dois ça. Je vous informe que tout va bien. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et c'est ça, le ministère. Merci, on a appelé à se soutenir mutuellement. On a prié, on a appelé à prier l'un pour les autres. Et c'est vraiment très important. Il y aura une information de taille et sans détour sur les grandes choses. Voilà, sur les grandes choses. Seigneur, merci pour, n'est-ce pas, cette rencontre ce soir. Merci de nous bénir. Merci de nous racheter. Merci de nous bénir. Et merci de nous faire du bien ce soir. Vous êtes allé, vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes à la télé des mystères, à la télé des mystères. C'est les mystères aujourd'hui, nous allons découvrir pas mal de choses par la grâce de Dieu. Nous allons développer les thèmes. Ceux qui veulent bien toucher la Bible, vous allez prendre la Bible. Nous allons parcourir la Bible, nous allons parcourir la Bible. Et ce qui n'a jamais été dit sera dit. Voilà, ce qui n'a jamais été dit sera dit. Beaucoup de choses seront dites ce soir. Voilà, donc partagez la vidéo. Celui qui est sensible à certaines choses doit dégager. Ma peau, y'a d'autres ouani, nous n'a gala gonzio. Ma peau, allez. Ye dodo wale luna kala gonsiu. Wa elie la gosia zili wawu. La gosia zili wawu. Ye la gomosia zili wawu. La gosia zili wawu. Ma peu. Ye dodo wani luna kala gonsiu. Ye. Ma peu ale. Ye dodo wale luna gala gonsi. Ye liye la gosia zili wawu. Non la gosia zili wawu.
Yeah, la gomosi azili wawo. Yeah, ma la gomosi azili wawo. Ma peo. Yeah, dodo wani nulangala gomosi. Yeah. Ma peo wani. Yeah, dodo wani nulangala gomosi. Yeah, liye la gomosi azili wawo. Mon la gomosi azili wawo. Yeah, la gomosi azili wawo. On la gozia zili wao. Ma peo. Ye dodo wani nuna galago. Nuna la gozio. Voilà, partagez, partagez. Nous allons voir le Réma, beaucoup de Réma. Le Canada, ça fait bientôt, seulement quelques semaines. Je salue toute la brigade anti-sorcier, le général Ludovic. Voilà, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit âme sensible, s'abstenir. Le Zouglou Gospel. Shalom, les combattants, les guerriers de la foi, les... Nous avons, n'est-ce pas, un mouvement pour attaquer les œuvres de la sorcellerie. Nous croyons fortement à l'onction de Dieu qui va envahir toute l'Afrique, qui va toucher la diaspora et libérer toute cette diaspora des chaînes d'envoûtement, des chaînes, n'est-ce pas, de la stérilité, des chaînes, n'est-ce pas, de la pauvreté, de la misère, des chaînes des ténèbres. Voilà, donc restez là. Et Dieu vous bénisse. Recevez l'onction maintenant. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Partagez, 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 parce que l'heure est grave. Voilà, soyez à vos postes. Celui qui n'est pas à son poste, ses grades seront menacés. Mais la gomme, et la gomme, il est moins. Pour faire crasso, la goye remoisin, la goye remoisin, la goye remoisin. Guillaume la gomme,
Et la gogne les moins un. Prophète Crasso. Non, et la gomme. Et la gogne les moins un. Prophète Crasso, la gogne les moins un. La gogne les moins un. La gogne les moins un. Ma peau. Y'a d'autres mois, l'île de la gomme. Ma peau, allez. C'est devenu un feu de grade. Celui qui n'est pas son poste, il devient caporal. Voilà. Celui qui n'est pas son poste, je vous informe déjà que je suis sur ma page Facebook, Prophète Joël Crasso Ministère. Voilà, prophète Joël Crasso Ministère. Et juste après cette vidéo, nous irons, n'est-ce pas, nous allons remettre la vidéo sur le YouTube. Et déjà la page de YouTube, la page Facebook, c'est prophète Joël Crasso Ministère. Voilà, donc vous suivrez en temps réel, n'est-ce pas, cette chaîne, appelée la chaîne anti-sorcier, la brigade anti-sorcier. Nous avons pour mission le dévoilement, n'est-ce pas, et destruction des œuvres de la sorcellerie, dévoilement et destruction des œuvres de la sorcellerie. Celui qui n'est pas à son poste, il aura affaire à la brigade. Voilà, donc tous les brigadiers, mettez-vous là. Je tenais à dire shalom à vous, tous les enfants spirituels du prophète Crasso dans ce ministère, et tous ceux qui sont, n'est-ce pas, qui soutiennent ce ministère, et qui, n'est-ce pas, croient, n'est-ce pas, à la libération de l'Afrique, de cette emprise satanique qu'on appelle la sorcellerie, comme a mené le combat l'Occident. Et c'est cela que celui qui ne s'intègre pas dans ce ministère est dorénavant déclaré comme sorcier ennemi des choses de bien. Et ce ministère est un ministère qui vous ouvre les yeux et, n'est-ce pas, comprend le phénomène de la nature, le phénomène de la sorcellerie et qui vous outille, n'est-ce pas, afin de pouvoir combattre les œuvres de la sorcellerie. C'est le seul ministère au monde, je vous précise très bien, loin de moi cette pensée orgueilleuse, c'est le seul ministère au monde qui vous parle de la chose sans redresse ni peur. C'est le seul ministère au monde, voilà, qui vous donne de comprendre comment fonctionnent les œuvres de la sorcellerie, qui vous amène, n'est-ce pas, à comprendre et à démanteler les réseaux les plus terribles des mangeurs d'âmes. Oui, ce ministère dévoile les réseaux et démantèle, c'est ça qui est intéressant, démantèle des grands réseaux des mangeurs d'âmes. Et libère tous ceux qui étaient programmés à la mort, libère tous ceux qui étaient sous l'emprise de la sorcellerie et les positions dans la gloire de Dieu. C'est le seul ministère qui lance un défi aux sorciers et qui lance un défi aux démons, aux agents du diable et qui, n'est-ce pas, qui les mate sur leur propre terrain. Et ça, c'est indiscutable. Nous nous matons la sorcellerie. Si vous avez des papiers bloqués, si vous avez, n'est-ce pas, des situations difficiles, si vous avez un problème d'enfantement, si vous avez un problème d'une situation grave, difficile que vous traversez tous les lundis, à partir de lundi prochain, tous les lundis. Lundi, nous allons, n'est-ce pas, rentrer dans un système de prière et, de prière prophétique. Voilà, nous allons rentrer, vous allez voir une autre dimension du ministère du prophète Crasso dans le domaine de révélation et prophétique à partir de tous les lundis soirs à partir de 22h, piloté par Donné Champion et le secrétariat de Divo, vous appelez pour remettre vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Ceux qui aimeraient que leur nom soit discret, nous ferons cela discrètement, mais tous les sujets qui seront donnés seront pris en compte et nous allons prier. Pour les problèmes de papier, pour les problèmes d'enfantement, pour les problèmes de mariage, pour les problèmes de blocage, mais toutes sortes de problèmes de sorcellerie, n'est-ce pas, vous appelez, n'est-ce pas, Donné Champion, n'est-ce pas, et vous remettez les sujets aussi au secrétariat de Divo, 00-225-45-07-23-28, vous leur remettez les sujets, ils vont nous transmettre les sujets tous les lundis à partir, n'est-ce pas, de 21h, je pense de 22h, nous allons commencer, n'est-ce pas, les directs, et commencer à enseigner sur la prière, comment entrer dans les miracles, comment entrer dans les grandes bénédictions. Et en plus de ça, nous allons prier pour vous. Nous allons demander les directs. Vous allez poser des questions si vous voulez. Et nous allons prier pour vous en ligne. Voilà. Et nous allons vous expliquer beaucoup de choses. Je tenais aussi à vous informer. Oui, un événement de taille se passe sur Paris. Et toute la diaspora est mobilisée. Je vous dis très bien, toute la diaspora
est actuellement mobilisé pour ce grand événement qui est le lancement du premier culte ici à Paris. Nous lançons le premier culte à Paris à partir de dimanche, ce dimanche 8 juillet, de 12h de Paris jusqu'à 15h heure de Paris. Voilà, de 12h heure de Paris. Voilà, 12h heure de Paris et 15h. Donc, nous rentrons 3h du temps. Donc, la diaspora est présente. Oui, dimanche 8. Tout le monde, c'est libre. L'entrée est gratuite. C'est libre. Il n'y a pas une question de... Non, c'est libre. Vous venez avec vos familles, il y aura une onction spéciale. Nous allons prier pour les bébés, pour les désenvoûter, vos enfants les désenvoûter. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont les problèmes d'enfantement, les problèmes qui ont problème d'emploi, problèmes de papier, problèmes d'envoûtement, problèmes de cancer, toutes sortes de maladies. Mais ceux qui ont même des ministères, qui aimeraient que leur ministère soit réveillé, ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, reprendre le ministère, le chemin du ministère, ceux qui avaient des dons éteints ce jour-là, le don va se réveiller en vous. Voilà, le don se réveillera en vous. Et ça, c'est vraiment très important. Le don se réveillera en vous. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de déjà se connecter. Voilà, c'est d'être là ce vendredi, de dimanche 8 juillet. C'est vraiment un événement de taille. Franchement, un événement de taille. Une action prophétique que je n'ai jamais faite, je vais le faire ce jour-là. Voilà, poser une action prophétique par la grâce de Dieu. N'est-ce pas, vous montrer des secrets, des mystères. Voilà, vous montrez des mystères les plus cachés et vous serez bénis. J'invite aussi ceux qui ont besoin de, n'est-ce pas, les musiciens, ceux qui aimeraient jouer la musique, ceux qui s'intéressent aussi au ministère, ceux qui aimeraient intégrer le ministère, soyez tous là par la grâce de Dieu. Nous allons lancer une vaste campagne, n'est-ce pas, de suivi dans toute l'Europe. Quand vous allez venir, nous allons désormais vous suivre jusqu'à l'exaucement de votre prière. Ça dit désormais, on va vous suivre. On aura, n'est-ce pas, quand vous allez appeler, vous aurez un numéro direct. Parler à le prophète, parce que c'est ça, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour que ces personnes soient suivies jusqu'au miracle, jusqu'à, n'est-ce pas, que leur foi soit assise dans le Seigneur. Et ça, c'est franchement très, très important. Voilà, donc, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez. Nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, l'événement de taille. Nous sommes en train de préparer. Ils vous donneront l'adresse tout à l'heure, sa Vitry-Sicelle. Ne manquez pas, parce qu'il y a culte et puis il y a culte. Nous, c'est un culte de délivrance et de restauration. Un culte où il y aura, n'est-ce pas, la délivrance, où il y aura, n'est-ce pas, la restauration. Où il y aura la restauration des âmes, où il y aura la délivrance. Et ça, c'est vraiment très important d'être dans un endroit où Dieu te parle. Quand Dieu ne te parle pas dans un endroit, c'est problème. Voilà, tu ne peux pas aller dans une église et tu es possédé et tu retournes encore avec les esprits. C'est dangereux. C'est dangereux d'avoir les esprits et dans une église et les esprits continuent de te manger. C'est dangereux d'être dans une église et les gens ne peuvent pas t'aider, les sorciers te programment et veulent te manger avec la sauce. Voilà, ils veulent te manger avec la sauce, voilà. Très, très dangereux. Voilà, donc, c'est un ministère, n'est-ce pas, qui vous aidera à rentrer dans les grandes grâces. Dans les grandes grâces et dans les grandes bénédictions. Voilà, donc, ne ratez pas ce culte. C'est le premier culte, d'ailleurs, et nous aurons des séries de cultes. Comme je disais, très bientôt, j'annoncerai mon arrivée sur Londres pour 3 jours. J'annoncerai mon arrivée sur Londres pour trois jours, par la grâce de Dieu. Et nous aurons aussi un grand programme sur le Canada. Nous sommes en train de préparer déjà le programme sur le Canada. Merci déjà pour vous qui vous organisez déjà depuis la diaspora. L'Italie, le Canada, la Belgique, n'est-ce pas, la France, l'Allemagne, n'est-ce pas, la Belgique, la Suisse. Voilà, merci pour tous ces enfants spirituels autour de ce ministère. Nous aidons les gens qui souffrent, qui ont un problème d'envoûtement, qui veulent rencontrer Jésus-Christ vivant et puissant, capable de guérir et de les restaurer. Donc nous sommes en train, n'est-ce pas, en train de faire un travail colossal et Dieu merci. Encore, je vous annonce aussi un événement de taille, n'est-ce pas, à Divo, du 16 au 19 août, la convention à Divo aura lieu à partir du 16 et du 19. Nous aurons, la délégation de l'église évangélique, des pasteurs de l'église évangélique qui seront là. Et d'ailleurs, pour ça, à partir déjà du 8, que nous serons en plein culte ici, voilà, ici, en culte ici, et les gens seront à Divo pour le culte, n'est-ce pas? Les responsables de l'église évangélique viendront, n'est-ce pas, à Divo déjà pour faire un direct.
pour annoncer l'événement de taille. Voilà, les pasteurs des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, ils sont aussi en train de mobiliser pour cette convention. Donc, c'est pour dire, c'est quelque chose de très, très, très merveilleux. C'est la première convention internationale à Divo. Et en même temps, on aura la pose, la première pierre, et voilà tout ça. Donc, depuis avant-hier, nous sommes en train de parler avec les serviteurs de Dieu. Le président Seko est sur Abidjan, en train de rencontrer pas mal de serviteurs de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est confirmé. Voilà déjà leur arrivée. Ils devaient être là ce dimanche prochain, le 1er, mais j'ai dû reporter leur arrivée à Divo le dimanche 8. Voilà, donc ça sera aussi en direct. On aura l'occasion de le voir en direct aussi depuis le centre Peniel. Voilà, donc le dimanche prochain, mais à partir du 1er, ce dimanche 1er, vous aurez une surprise de taille, n'est-ce pas, une prédication depuis, le culte de l'église Pentecôte authentique, le centre Peniel de Divo. Donc, ce dimanche qui arrive, vous aurez une exclusivité depuis ma page Facebook, le culte avec beaucoup de témoignages pour dire tout va bien à Divo, tout va bien à Divo, tout va bien dans le centre de prière de Divo. Vous allez vivre le culte en louange, vous allez vivre le culte en puissance, vous allez voir comment on dirige, vous allez voir comment les serviteurs de Dieu là-bas derrière moi, bien que d'autres personnes aient déserté les lieux pour partir pour des fins, je ne sais quoi. Voilà, on te confie une maison et on dit, reste. Le propriétaire te dit, garde mes enfants. Tu dis, oui, c'est une convention, je suis d'accord avec le fait que tu dois garder tes enfants. Si tu n'étais pas d'accord, tu disais non. Ok. Alors, tu fuis et tu laisses les enfants abandonnés. Mais Dieu merci que dans le ministère, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le ministère. Et c'est pour cela que c'était vraiment très important, n'est-ce pas? Voilà, c'était vraiment très important de, n'est-ce pas, vous et, n'est-ce pas, c'était vraiment très, très important, très, très important de, n'est-ce pas, c'était vraiment très, très important de signifier ça. C'était vraiment très, très important de signifier ça. Voilà, c'était vraiment très important. C'était vraiment très, très important de signifier la chose. C'était vraiment très, très important de signifier la chose. Donc, ce dimanche, vous aurez un direct depuis le centre Peniel de Divo, un direct où il y aura la prédication, et la louange, tout ça, et des témoignages des vivants de l'Église. Voilà, donc tout va bien. Voilà, donc maintenant, à partir de maintenant, vous aurez, n'est-ce pas, les directs de Divo. On va maintenant partager les cultes ensemble. Direct de Divo. Direct de Divo, n'est-ce pas, et les directs de maintenant de tout. Donc, pendant tout ce temps, vous aurez l'occasion de voir dimanche prochain. Voilà, nous sommes en train de préparer. Je tenais à dire shalom aussi au bishop Cassie d'Azito. N'est-ce pas, une délégation sera, n'est-ce pas, ce culte. Voilà, avec des bishops, des révérends qui viendront, n'est-ce pas, partager leur expérience et témoigner, n'est-ce pas, des grandes choses de la part du prophète Crasso, de la part du prophète Crasso. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu répande sa grâce sur vous, que Dieu soit avec vous. Voilà. Donc, Divo nous manque tous. Et nous verrons que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pasteurs qui sont à Divo. Il y a des éléments qui sont à Divo, qui peuvent conduire Divo parce qu'ils ont été outillés. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé de partir. Ouais, je ne sais où. Voilà. Mais on a des éléments à Divo. Vous avez l'occasion de voir le culte. Et je vous promets, ça sera fait. Voilà, ça sera fait par la grâce de Dieu. Ça sera fait par la grâce de Dieu. Ça sera fait par la grâce de Dieu. Ce dimanche, un culte inédit à Divo. Voilà, vous allez écouter les témoignages des frères et sœurs. Vous allez écouter une prédication. Vous allez écouter les trucs. Et puis le 8 encore à Divo. Oui, bien que nous aurons le culte ici, nous aurons aussi à voir une délégation des pasteurs de l'église évangélique qui auront l'occasion, les pasteurs de l'église évangélique. J'ai dit bien, une délégation viendra à Divo. Justement, dans l'esprit de la préparation de la convention, ils seront tous là. Voilà, voilà. Donc, c'est une première. Voilà, c'est une première. Les gens viendront parce que le prophète Crasso que vous voyez déjà primé par des pasteurs évangéliques 2018 pour l'impact de son ministère sur, n'est-ce pas, la diaspora et sur la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Voilà, donc pour cela, les gens seront à la convention pour vous expliquer un peu pourquoi ils ont décidé, n'est-ce pas, de soutenir votre serviteur que je suis, de le primer, voilà, par des actions qu'il pose sur le terrain, voilà, et de sa fondation, en tenant ce moment qu'il est serviteur de Dieu, n'est-ce pas?
Voilà, non seulement qu'il est serviteur de Dieu, mais il a mis aussi une fondation en place qui s'occupe aussi des enfants en difficulté. Donc, on aura l'occasion de voir tout ça par la grâce de Dieu. Donc, c'est quelque chose n'est pas raté. C'est quelque chose n'est pas raté. Voilà, donc merci. Donc, vous avez, je viens de donner des enseignements de pointe, des enseignements de pointe, voilà, des informations de pointe du moins, des informations de pointe. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. On aura, n'est-ce pas, beaucoup de choses tout à l'heure. Voilà, beaucoup de choses tout à l'heure. Voilà, merci. Je suis le prophète Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, communément appelé maréchal, parce que j'ai une histoire de maréchal. J'ai une histoire de maréchal. C'est à cause de, n'est-ce pas, l'onction qui est sur moi, n'est-ce pas, pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. J'ai un témoignage vivant, puissant. Dieu m'a choisi. J'ai vécu une situation terrible. Et le Seigneur, fils des musulmans que je suis fils des musulmans, et le Seigneur, dans sa souveraineté, s'est révélé à moi. Je l'ai même expliqué dans mon tout dernier livre. Le Seigneur s'est révélé à moi, n'est-ce pas? Le Seigneur s'est révélé à moi. Et Dieu m'a choisi. Il a dit, tu es mon prophète. Donc ça veut dire, mon ministère, j'ai un témoignage de mon ministère. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il a dit, tu es mon serviteur. Je t'appelle pour servir en tant que prophète. J'ai vu Jésus qui m'a oint. Donc à partir de là, ça m'a engagé. Moi qui n'aimais pas lire la Bible et qui était ignorant, qui ne savait pas ce qu'on appelait de la Bible, va s'engager maintenant à savourer la Bible. J'ai dit, j'ai pris un mois en temps de lire toute la Bible. J'ai lu toute la Bible en un mois et j'ai vu l'impact de la Bible parce que j'ai utilisé un verset, un chapitre qu'on appelle le Psaume 35 et qui m'a plongé dans une victoire contre ceux qui mangeaient mes poumons avec Akbessi, qui mangeait avec Akbessi. Voilà, l'Akbessi. Et puis le Seigneur m'a délivré. Voilà, j'ai été victime, n'est-ce pas, d'une grave sorcellerie. Vous comprenez? Et le Seigneur va me conduire, n'est-ce pas, à aimer son œuvre. Puisqu'il m'avait déjà appelé, j'avais l'amour de Dieu. Donc je vais aller étudier, faire les études bibliques et tout ça. Je vais ressortir avec un diplôme en théologie, une licence en théologie. Et par la grâce de Dieu, j'ai décidé de rentrer pour aller et servir Dieu. Voilà, donc le pasteur Cassie a été, d'Azito, a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à Abidjan. Maintenant, je t'en parle. Voilà, donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vu mes prestations dans leur église. Donc le pasteur Cassie d'Azito, qui viendra lui-même aussi, le vieux père, a aussi témoigné de mon ministère. Parce qu'aujourd'hui, je me suis mis dans mon coin pour faire chemin ensemble, pour faire chemin seul. Par rapport à certaines choses dans lesquelles je ne me retrouvais pas, je ne voulais pas me mettre dans certaines choses, parce que moi j'ai un combat, et ceux qui ne parlent pas de ce combat de la sorcellerie, qui avait d'autres choses, de l'histoire d'aller faire pèlerinage à la Mecque, et autant pour moi en Israël, c'est pour cela que je ne me mettais pas dans les choses des réunions par-ci ou pas en Israël, ça ne m'intéressait pas, je suis toujours dans les campagnes. Donc, je pars encore à Praia, au Cap-Vert, où je rentre en contact avec mon père spirituel. Qui est mon père spirituel d'Avila, n'est-ce pas, pour une étude en missiologie, c'est-à-dire une étude en missiologie, une vie missionnaire, voilà, pour avoir une notion de la mission. Quand on dit mission, c'est l'apôtre, le mission de l'apôtre, donc tu pars bâtir les églises. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai été primé, j'étais diplômé d'avoir les diplômes en licence en missiologie. Et propre Christ m'a embauché, ils m'ont engagé, donc j'avais 4 000 dollars. J'explique très bien, écoutez-moi, 4 000 dollars. Parce qu'on était payé en dollars, c'était sponsorisé. Voilà, c'est ça. Et heureusement que c'était une mission évangélique, mais qui était dans le monde, qui apportait l'évangile dans toute l'Afrique. Donc, on transformait, on travaillait avec l'équipe qu'on appelle Campus pour Christ. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, de la sous-région, dans beaucoup de pays, pour aider les églises dans les pays à, n'est-ce pas, se stabiliser, à mobiliser les gens pour le réveil, l'évangélisation dans le monde et en Afrique. Okay? Et après ça, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait revenir en Côte d'Ivoire. Et avant de venir en Côte d'Ivoire, j'ai même partagé ma vision avec mon père spirituel qui a dit, mais si Dieu t'a vraiment parlé, ok, je te laisse partir. Parce que c'est ça. Quand tu veux laisser une mission, il faut en parler avec ton père spirituel. Dieu est là. Mais Dieu t'emmène à prendre près de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très important. Dieu est là. Dieu l'établit là-haut. Mais il t'emmène à prendre près de quelqu'un. Voilà. Donc Dieu t'appelle. On dit Moïse. On dit Jésus, serviteur de Moïse. On a vu, n'est-ce pas, Élisée servit Élie. Élisée a servi Élie. Il a reçu la double portion de la puissance qui était sur Élie. Et on a vu Géasi, qui est un faux serviteur. Au lieu de recevoir le manteau, il a reçu la lèpre de Géasi. Donc, au lieu où,
Quand tu sers un homme de Dieu, tu peux recevoir le manteau ou la lèpre. C'est les deux choses. Ne vous étonnez pas. Il y a des gens qui viennent servir Dieu pour leurs propres besoins. Au lieu de recevoir le manteau, ils reçoivent la lèpre. Au lieu de recevoir, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'un serviteur qui se dit serviteur de Dieu, il doit attendre le temps. Et le temps, ça se détermine pas comme ça avec la sagesse. La sagesse est qu'il faut recevoir la bénédiction des pères. Et donc, je reçois la bénédiction de mon père spirituel pour retourner sur la Côte d'Ivoire, pour bâtir. Et donc, lui, il avait du mal à accepter. Mais il m'a béni, il m'a dit, bon, voici la stratégie, comment j'allais vivre après. Voilà comment j'allais vivre après. Donc, il me rappelle. Et donc, je repars chez lui à Praia pour discuter avec lui, convaincu qu'il est, parce qu'il connaissait ma conviction, il sait que je suis sérieux. Il me met devant l'église, il prie pour moi, devant tout le monde, il dit, je te laisse partir avec toute ma bénédiction. Donc, je descends en Côte d'Ivoire, où j'ai commencé, n'est-ce pas, à bâtir, et donc j'ai reçu par la grâce de Dieu une œuvre, et j'étais déjà connu, c'est-à-dire, j'avais commencé déjà une œuvre dans la région de Soubré, par la grâce de Dieu dans la région de Soubré. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'appel et le temps de l'appel. Bon, cette période-là, on a vu Jésus-Christ qui avait l'âge. Jésus-Christ avait l'âge. Écoutez très bien, Jésus-Christ avait, il était, n'est-ce pas, né. Il savait très bien qu'il allait le servir. Il allait servir Dieu. Mais, écoutez, il a attendu le temps que ça pouvait entendre, le temps que ça pouvait attendre, et il est rentré dans le ministère à l'âge de 30 ans. Voilà, cette période, on l'appelait fils du charpentier. Et donc, c'est une période. Donc, il faut attendre le temps. Si tu n'attends pas le temps, donc l'âge de 30 ans, c'est à ce temps-là qu'il fallait démarrer le ministère. Donc Jésus était un homme très sage, va se rendre près de quelqu'un qu'il avait déjà dévancé dans le ministère. Parce qu'il y avait Jean-Baptiste déjà dans le désert qui avait commencé déjà le ministère. Donc Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu, bien qu'il soit Dieu, il va vers un homme qui décide de le consacrer au ministère. Donc Jean-Baptiste le consacre au ministère, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Lui-même, Jean-Baptiste dit, mais laisse, pourquoi c'est toi? Et Jésus dit, laisse faire, parce qu'il faut que les Saintes Écritures s'accomplissent, parce que c'est comme ça. Quand tu reçois l'appel, il faut quelqu'un pour te bénir, un dévancier pour te bénir. Jésus-Christ est béni par Jean-Baptiste. Et après ça, Jean-Baptiste va maintenant dans le désert où il passe 40 jours de jeûne. Quand il finit le jeûne, il rentre dans le ministère. Donc, il y a des étapes, il ne faut pas griller dans le ministère. Et moi, quand mon père spirituel a prié pour moi, je suis rentré dans un jeûne de 21 jours. Je l'ai même expliqué. J'ai fait un jeûne de 21 jours sans manger pour préparer mon ministère. Pour préparer mon ministère. Il a prié pour moi et j'ai reçu la bénédiction de mon père. Oui, parce que même s'il y a eu l'onction, même si Dieu me parle, parce que moi j'ai vu Jésus plusieurs fois, il y a des grâces que Dieu m'a faites que beaucoup n'ont pas eues. Voilà, Dieu m'a fait la grâce par mon ministère à délivrer des fous. Des gens qui ont des vingtaines de folies, il y a des gens qui ont détruit. Dieu me fait cette grâce. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des pères. Et donc je pars vers le père et je savais que je devais rentrer dans une autre dimension du ministère, un grand ministère. Et j'ai attendu la bénédiction de mon père spirituel. Il a prié pour moi. Et quand ton père spirituel t'a prié pour toi, tu as la bénédiction. Vous savez, c'est pas l'argent qui est important, c'est la bénédiction qui enrichit. Quand tu es béni, partout tu passes, tu reçois ta bénédiction. Et quand tu refuses d'être béni, parce que Dieu, il travaille au travers des gens, et Dieu nous appelle toujours près de quelqu'un, et c'est près de quelqu'un qu'on apprend. Et si on a appris près de quelqu'un, ça veut dire que c'est lui, par lui, Dieu passera pour te bénir. Et ça, il ne faut jamais, si tu as appris près de lui, c'est que c'est par lui, Dieu passera. Dieu n'est pas bizarre. Dieu n'est pas bizarre. Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de commun où il va te prendre, va te faire entrer dans une transe et puis tu vas oublier tes repères. C'est-à-dire que tu n'as pas de repères, tu ne sais pas d'où tu viens et tu sais où tu t'en vas. C'est dangereux. Non, c'est dangereux. Donc, on prie pour moi, mon Père spirituel me bénit, il m'accorde toute cette bénédiction, n'est-ce pas? J'ai fini de faire mon jeûne et j'ai démarré le ministère. Donc, j'ai reçu le ministère, je suis allé à Soubré, j'ai commencé, c'est là qu'il y a eu le pasteur Serge. Voilà, le pasteur Serge, dans 2006. Moi et le pasteur Serge, c'était déjà 2006. Voilà, c'était déjà 2006. Le pasteur et moi, on a une histoire, le pasteur Serge et moi, l'autre, c'était en 2013. Donc, ça veut dire qu'il y a un écart. Voilà, 2006, le pasteur Serge, je l'ai gagné dans la région de Soubré. J'ai eu beaucoup de personnes. Et donc, j'ai confié cette église-là. J'ai eu beaucoup d'églises. On a eu plus de 8 églises. Et que moi, j'ai décidé de confier aux gens parce que je n'étais plus appelé à fonder les églises. Il fallait commencer un ministère itinérant. Voilà, donc, je me retrouve à Abidjan. Voilà, je me retrouve à Abidjan. Et comme j'étais à Abidjan, puis je venais, voilà, je me retrouve à Abidjan. Donc, à La Palmas, je construis à La Palmas, je commence un culte
à Las Palmas. À Las Palmas, je commence à Las Palmas un culte, incluant un grand culte puissant, un puissant culte à Las Palmas, un puissant culte à Las Palmas. Et les gens venaient. Et de temps en temps, chaque semaine, je partais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour évangéliser. Et Dieu m'utilisait puissamment. Le Seigneur m'a utilisé à démanteler les grands réseaux de la sorcellerie sur le plan national. C'était comme ça. La chaîne de télévision de Côte d'Ivoire en 2009. Et c'est comme ça, en 2008, je rencontre le président Sékou. J'ai rencontré le président Sékou en 2008. Donc lui et moi, on s'est rencontrés en 2008. Lui aussi, il avait, n'est-ce pas, cette soif-là de voir quelqu'un que Dieu utilise. Et c'est comme ça, par mon canal, président Sékou Paulin, voilà, président Scribo Paulin s'est converti par mon canal. Il a donné sa vie à Jésus, il a participé, il restait chez moi parce que j'habitais Las Palmas, j'habitais plutôt au Vallon. Donc il venait là-bas, j'avais mon cabinet au carrefour d'un camp, voilà, j'avais mon cabinet dont je recevais les gens. Donc la télévision a décidé de me prendre, j'ai vécu des miracles, c'est-à-dire Dieu m'utilisait puissamment pour opérer des miracles en direct, n'est-ce pas, sur la chaîne de télévision. Matin Bonheur, dans ses débuts, avec Soum Saint-Félix, ceux qui le savent très bien, ils savent que ce que j'ai en train de dire n'est pas faux. Mon histoire est là, la télévision ivoirienne. J'ai été le premier homme de Dieu à parler de la sorcellerie sur la chaîne de télévision appelée la deuxième chaîne TV2 avec Ben Zawi. Ben Zawi, qui était le directeur de cette chaîne de TV2, et président Sékou était là, sur le plateau de TV2. C'est tout le monde entier qui nous a regardés en train de parler. J'ai défié tous les sorciers et les féticheurs de la Côte d'Ivoire. Et ça créait ce que ça pouvait créer. Ils ont dit, c'est du jamais vu. Comment un jeune homme peut venir défier tous les sorciers? J'ai dit, ils sont sorciers. Tous ceux qui disent qu'ils sont sorcellerie positive sont des sorciers. Ceux qui disent ils sont sorciers, sorciers positifs, ça n'existe pas. C'est après ça qu'il y a eu beaucoup de féticheurs qui prenaient la chaîne de télévision pour faire de ça une publicité, ont commis à fermer leur bouche. Parce que j'ai dit aux gens, si je vois quelqu'un qui dit qu'il est sorcier, moi je suis brigade anti-sorcier, faites-moi la confrontation. Donc j'ai lancé un défi à tous les féticheurs de la Côte d'Ivoire qui ont refusé de me prendre sur les plateaux de télévision parce qu'ils savaient, je leur ai dit, je ne viens pas sur le plateau de la télévision pour vous dire que Jésus-Christ vous aime. Je veux vous montrer où se trouve la puissance de Jésus. Donc si vous venez sur le plateau de télévision ivoirienne, venez pour que vous et moi puisse savoir d'où vient la vraie puissance. Si c'est Satan, si c'est combien, si c'est vos fétiches, on verra. Moi, j'ai la parole de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, la Bible avec moi. Et donc, pendant des années, aucun féticheur de la Côte d'Ivoire n'a osé. Et depuis ce temps, maintenant, les féticheurs ne parlent plus dans les journaux. Ils ont fermé leur bouche de sorcier et tout ça. J'étais le seul homme de Dieu. Voilà, que Dieu a utilisé puissamment, à porter, n'est-ce pas, un réveil. Les gens ne croyaient plus, parce que moi, j'étais au Cap-Vert, quand j'avais l'histoire des Béanzins, les gens parlaient, tout ça, donc, les gens voyaient, pensaient que les pasteurs prenaient des fétiches, tout ça. C'est quand les gens m'ont vu dans mon ministère, en train de défier la sorcellerie, en train de défier les pasteurs, en train de défier les mystiques de Côte d'Ivoire, que beaucoup de gens sont revenus à l'église, parce que j'avais un scandale de cette histoire des Béanzins. Et moi, j'aurais dit, quand on parle du faux, c'est qu'il y a du vrai. Voilà, ceux qui n'ont pas de fond, ceux qui ont du vrai. Si vous pensez que chez eux, il y a la puissance, moi, prophète Crasso, j'ai dit que dans la Bible, il y a une onction. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable. Donc, j'ai défié, n'est-ce pas, le pouvoir du diable. Et donc, Dieu merci, à partir de mon ministère, c'est maintenant que les langues des gens commencent à se délier. Et donc, j'ai vu un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment pour apporter le réveil en Côte d'Ivoire. Donc, je vous parle de 2006, 2007, 2008. Et 2009. 2009, là, ça, une explosion totale. Parce que là, c'était la chaîne de télévision. Chaque chaîne de télévision, les radios, n'est-ce pas, voulaient m'entendre. Parce que tous ceux qui m'entendaient, n'est-ce pas, recevaient leur guérison en direct au travers des chaînes de télévision ivoiriennes. En direct, au travers des radios ivoiriennes, en direct. C'était le miracle authentique. Tu as un fou qui vient, en même temps, il est guéri. Tu as quelqu'un qui est là, en même temps. Et un sorcier vient, il me regarde dans les yeux, il parle. N'est-ce pas, il parle, il confesse. Les gens sont étonnés. Ils n'ont jamais vu. Et je suis parti de village en village. C'est comme ça, je partais. Donc, il fallait trouver un endroit. On a fait un culte. Et ce premier culte, que je me rappelle du premier culte, c'était en 2008. Parce qu'en 2007, on continuait toujours. On commençait par les cellules. En 2008, on démarre le culte. Le premier culte, on est 500 fidèles. On a démarré avec 500 fidèles à Las Palmas. Et c'est parti comme ça. Et puis, à un moment donné, on voulait maintenant louer la salle de cinéma Fontaine de Sokossé. Et la salle était remplie.
Il y avait du monde et tout ça. Donc, ça prenait une allure d'église et tout ça. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes revenus au Salah Palma. Et c'est parti comme ça. J'avais des gens autour de moi, Gadiseli, en fait, qui priaient aussi avec moi, qui priaient aussi dans cette église. Dans cette église, on priait que tous les dimanches soirs, déjà à partir déjà de 14h, nous avons un culte jusqu'à 20h. C'était puissant, c'était émouvant. Les sorciers venaient confesser. C'est que vous voyez l'habitude à Divo, ça se passait dans cette salle. Donc, il y avait la puissance de Dieu. Les gens vomissaient, les trucs d'envoûtement. Il y avait le miracle de Dieu qui s'opérait, tout ça. Et j'étais allé en mission, n'est-ce pas? En mission, donc, vous voyez déjà, il y a eu la guerre, il y a eu le problème des guerres, tout ça. Je me suis retrouvé au Cap-Vert, près de mon père spirituel. Je suis allé passer un moment avec lui. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et après la Côte, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, je suis reparti dans la région de Soubré, n'est-ce pas, pour encore évangéliser, juste pour voir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, j'ai repris le culte. Les gens sont revenus. Ils venaient maintenant grand nombre. Et j'ai commencé maintenant à reprendre mes croisades dans les villages. Donc, j'étais à Daloa en 2012, je crois, en 2013. Et c'est comme ça, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui avait des soucis, qui était dans la villa des Aroko. Et c'est elle qui me parlait de la sorcellerie. Et pour vous dire, déjà à partir de 2012 déjà, j'avais déjà mes vidéos sur le YouTube. Mais avant les vidéos sur le YouTube, j'avais déjà le ministère qui avait déjà démarré, surtout pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. Sinon, mon appel, c'était, voilà, c'est avant ça. Voilà, donc en 2012, qu'on poste déjà les vidéos, 2012, 2013, c'est les vidéos déjà sur YouTube. Voilà, sur YouTube, pour édifier les gens. Donc, tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tous ceux qui parlent aujourd'hui, m'ont connu au travers de YouTube. C'est via YouTube. Voilà, c'est à cause de YouTube qu'on se connaît. Voilà, c'est pour dire que le prophète Crasso n'est pas votre camarade. On sait où on s'est rencontré. J'avais l'onction de Dieu qu'on se rencontrait. Je ne suis pas quelqu'un que les gens ont pris dans la rue pour mettre en onction d'eux. J'avais déjà l'onction de Dieu. Je travaillais déjà. J'avais d'abord un ministère qui vous édifiait déjà YouTube. Et c'est comme ça que vous êtes approché de moi. Et vous avez vécu sans direct le ministère sur le terrain. Donc, on a commencé. Et le Seigneur m'a dit, c'est ici à Zaroko que tu dois démarrer ton ministère. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais moi, j'avais compris qu'il fallait rentrer dans une phase d'obéissance. Pour dire le prophète Crasso, ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse avec son obéissance à Dieu. On voit, Dieu me parle. Voilà, Dieu me parle. Et c'est cela que ce n'est pas l'homme qui va me dérouter de la vision de Dieu. L'homme ne viendra pas me dérouter de la vision de Dieu. Quand Dieu me parle, je cherche, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Peu importe le prix que je vais payer, mais je m'engage sauvagement parce qu'il faut ça. Il y a toujours un prix à payer. Et oui, je vous ai bien dit avant de partir, comme j'ai reçu la bénédiction de mon père, voilà, comme mon père, je suis parti. Voilà, donc Dieu me parle. Dieu me parle. C'est lui qui m'a appelé. Si ce que tu dis et ce que j'ai reçu de la part de Dieu n'est pas conforme, n'est-ce pas, à ce que Dieu m'a dit, ça sera très difficile de te croire. Moi, de te croire, parce que ce que Dieu me dit, toi, tu dois venir apporter la caution. Sinon, je ne t'écoute pas. Donc, j'écoute bien. Je suis quelqu'un qui respecte, qui écoute très bien les gens. Je ne suis pas un homme orgueilleux. J'ai des défauts. Je ne dis pas le contraire. J'ai des défauts. Je suis un être humain. Mais en ce qui concerne le respect, je respecte l'être humain. J'aime bien aider les gens. Mais j'aime bien obéir à Dieu. Voilà, c'est vraiment très important. J'aime bien obéir à Dieu. Donc, je suis allé à Zaroko. J'ai maté la sorcellerie dans cette zone du Vata, dans la région de Iré, où il y avait la sorcellerie en cascade. Mater la sorcellerie. Je suis un homme de Dieu qui mate la sorcellerie. Ça dit, ce n'est pas en fait des noms, ce n'est pas parole. L'apôtre Paul dit, mes paroles et mes prédications ne se reposent pas sur les discours péchassis dans la vie, mais dans une démonstration de puissance. Donc, je mate la sorcellerie. C'est dans ma taille de la sorcellerie là, que chacun m'a connu sur YouTube. C'est dans ma taille de la sorcellerie que ça vous a épaté. Vous avez vu un homme de vous, avez peur de la sorcellerie. Et Dieu a commencé à m'utiliser. Et je suis qu'à ce qu'on se rencontre. Voilà, on se rencontre. Donc, Dieu m'a dit, crée. Donc, je suis laissé Abidjan. À un moment donné, j'abandonne Abidjan et je me retrouve dans un village. Vous comprenez, quelqu'un qui vit au Vallon, dans une villa de 4 pièces plutôt, et qui coûte 500 000 francs et qui va se retrouver, n'est-ce pas, dans un village, confronté aux moustiques, confronté à la chaleur, confronté aux difficultés, mais il accepte parce que là où il est, là, il est convaincu que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc l'humilité oblige parce qu'il faut obéir à Dieu. Je mets mes affaires partout, je laisse la maison, les gens sont étonnés de voir que je fais même mon bureau un matin, mais je ne travaille pas pour quelqu'un. Et ça, il faut que je signifie ça.
D'abord, j'ai travaillé, mon père spirituel m'a béni. Et donc, les actions que je posais, c'était à mes risques et périls. Quelqu'un qui laisse 4 000 $, 4 000 $ qu'il est payé par mois, pris en charge par une structure américaine qui finançait propre Christ dans l'Afrique, où à partir de prier, on partait évangéliser. Donc, je prends, je reviens parce qu'avec mes économies, j'ai pu m'installer à Abidjan, j'ai commencé le ministère. Et puis, à un moment donné, le Seigneur dit, laisse tout ce que tu es en train de faire parce que va dans un village. Et ça, ça m'a marqué. Et le Seigneur était dans le village, puis Dieu dit, c'est ici que tu vas me servir. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup qui sont partis. Et par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile. J'ai vécu 6 mois dans un village avant de venir à Divo. Voilà, avant de venir à Divo, j'ai vécu 6 mois. Et à un moment donné, je n'avais pas d'argent. Il fallait maintenant prendre, il fallait louer une maison à Divo. J'ai prié. Et Dieu a fait un miracle. Les gens m'ont appelé pour dire, on a besoin de te faire Western Union, on fait comment? J'ai envoyé mon nom, le lendemain j'ai eu 200 000 francs. J'ai pris la maison à Divo et j'avais des chaises bizarres. J'avais mon matelas même était à terre. Donc j'ai commencé comme ça, doucement. Et le ministère, je me suis donné corps et âme. Le Seigneur a dit, parce que je commençais à Divo, je travaillais, je partais de Divo à Zaroko de 9h. Je restais, parce que j'ai même filmé ça, je restais à Zaroko jusqu'à 1h du matin. Parce que le monde entier et toute la Côte d'Ivoire commençait à se dévester, n'est-ce pas, à Divo. Tout le monde venait à Divo, tout le monde. Donc je travaillais jusqu'à 1h du matin, le temps de quitter Divo, Zaroko. Zaroko, Divo, ça fait pratiquement 40 kilomètres. Donc on pouvait faire, à cause de la voie qui est dégradée, dans les voitures bizarres, des taxis, ce taxi-là, quand tu es dedans, tu vois même la poussière. Donc on quitte là-bas et puis on se rendait, n'est-ce pas, je me rendrais à Divo. Et dans les difficultés, c'est-à-dire quand tu arrives là, matin, la nuit là, tu es comme un ambulance, tu es rouge, tes narines sont pleines de poussière. Voilà, donc tu absorbais la poussière et tout ça. Donc j'ai vécu des difficultés, mais il fallait accepter parce que c'est le prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Je n'ai pas regardé le matériel. Si je regardais le matériel, si je pensais à l'argent, je ne serais pas venu à Divo, je ne serais pas à Zaroko. Donc du coup, le Seigneur, donc on mangeait tard, mais c'est ça qui a fait que même mon ventre a grossi. Mais ça va aller parce que je suis en train de faire le sport, écraser un peu le ticket. Donc je mangeais tard. On mangeait tard vers 1h du matin, 2h du matin, et il fallait répartir encore, n'est-ce pas, à 9h. Donc vous voyez, on a fait cet aller-retour, et le Seigneur dit, tu vas maintenant bâtir, tu vas maintenant mettre un stand de prière à Divo. J'ai dit, mais ça va se passer comment? Dieu dit, c'est moi qui pourvois l'œuvre. Regardons, j'ai parlé avec mes collaborateurs et encore la semaine qui a suivi, on m'appelle, on me dit, mais le prophète Krasso, en ce moment, les gens commençaient à me découvrir et le Seigneur, tu lis toujours, les gens m'appellent pour dire, Dieu m'a mis à cœur de t'aider. J'ai dit, ah bon, donne-moi ton nom. La personne ne dit rien. Je m'ai restitué Winston Union, c'est 300 000 francs. Donc, je prends la villa qui est là-bas à Divo aujourd'hui, le centre de prière Péniel. Donc, je prends cette villa et je commence, n'est-ce pas, cette œuvre. Voilà, donc les petits, d'abord, quand j'ai commencé, d'abord, le pasteur Serge est venu. Et après ça, comme je suis passé dans les villas de certaines personnes, et ils sont venus. Après, ils m'ont appelé pour vouloir servir Dieu dans le ministère. C'est pas, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est moi qui ai reçu l'onction de Dieu. Voilà, c'est moi qui ai reçu l'onction de Dieu. Et c'est des gens qui me découvraient dans leur village et qui voyaient en moi un père spirituel, le charisme qui se dégageait dans mon ministère, qui se reconnaissait dedans. Ils ont dit, non, si on doit servir Dieu, c'est dans ce ministère. On doit prendre près de ce temple de Dieu. Et moi, j'accueille les gens à bras ouverts, oui, en reconnaissant leur ministère. Non, et puis je les aide à évoluer, oui. Moi, j'aide les gens à évoluer. Je les maltraite pas. La preuve, c'est que j'ai aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens étaient connus à cause de moi. Je les ai fait connaître. Je les ai donné l'endurance. Je les ai pas enseigné la facilité. C'est vrai. C'est des gens aussi qui ont payé le prix. Je n'en dis qu'on veut pas. Ils ont aussi payé le prix. Et parce que le ministère, c'est pas du jeu. Voilà, c'est le ministère. La formation de quelqu'un qui est paracommando, un policier, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un commando, un gendarme, c'est pas pareil. La formation d'un commando, c'est rude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux résister à tout. Je suis aujourd'hui à Paris. Mais avant d'être à Paris, j'ai souffert dans le ministère. J'étais fier. Je suis toujours fier. Si ça doit être recommencé, d'ailleurs, je n'ai pas peur de recommencer à aller dormir dans un village. Parce que c'est ça. C'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on m'appelle prophète des nations. Non, prophète Krasso, ça suffit. Pas des nations. Parce qu'un jour, je suis appelé à aller dans les villages. Je ne suis pas prophète des nations. Je suis un prophète de Dieu. Pas des nations. Je suis prophète aussi des villages, je suis prophète aussi des villes. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on a pris la villa. J'avais rien dans cette villa. J'avais rien, il n'y avait pas de chaises. Et c'est comme ça, c'est la nappe, on a commencé d'éveiller.
On a commencé à veiller des prières sur des nattes et des chaises sont venues. Ils ont payé les gens commençaient à venir parce que les gens voyaient que Zaroko était loin et tout ça. Il y avait ce problème-là. Donc le Seigneur a voulu qu'on s'installe pour mettre encore, pour rendre encore ce ministère plus efficace en matière de communication. Parce qu'il fallait communiquer pour sauver beaucoup d'âmes. Nous sommes à l'aide de la communication. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, on a eu la visite de certaines personnes qui sont venues, qui ont été bénies dans le ministère. Et comme ils ont été bénis, ils ont commencé à payer des chaises. Et Dieu merci, on a commencé à avoir des chaises. Mais on avait des tam-tams, on n'avait pas encore d'orchestre. On n'avait pas encore de groupe musical, par la grâce de Dieu. On travaille comme Tukutu, 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 Tukutu. Amon Saleo, amour. Amon Saleo, amour. Amon Saleo, amour. Amon Saleo, amour, amour. Bien ouais, bien ouais. Tout, Tukutu. Elie la gona, mouma, gere, gimouo. Gere, gimouo, a qui y bia ou, ah ouais. Amon sale, oh, amour, amon sale. On dansait, non, ça foutait des pnik, 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 pnik. Non, c'est Tukutu, Tukutu. Amon sale, oh, amour, amon sale, oh, amour, amon sale, oh, amour. Qu'est-ce qu'on ne sait pas piano? Amon sale, oh. Amour, amour, bien oulé, bien oulé. Ça veut dire, c'est toi qui m'as choisi, je m'en vais. Quelles que soient les difficultés, je m'en vais. Amour, ça allait. C'est toi qui m'as choisi. Quelles que soient les difficultés, j'accepte les difficultés. Quelles que soient que les gens me vilipendent, m'insultent, j'accepte. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Donc on chantait, dou, 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 dou. Et puis au fur et à mesure, les gens nous envoyaient. Les gens nous bénissaient, on a commencé à mettre les chambres, on a commencé à décorer les chambres, on a commencé à voir les matelas dans les chambres, doucement, c'était un sang de prière, on priait. Amon salé, oh, amour, koutou, amon salé, oh, amour, broudi, amon salé, oh, amour, bra, amon salé, oh, amour, amour, bien ouais, bien ouais. Oh bien voilà qu'on a mon macure qui moua, veille qui moua, qui pia ou ah ouais. Ah mon salé, oh, ah mon laga, ah mon salé, oh, 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 ah mon salé. Donc c'est comme ça, on dansait, on était content, fier, on mangeait ce qu'on pouvait, ça nous disait rien parce qu'on payait, Dieu faisait des grandes choses, il continue encore de faire des grandes choses et le ministère commençait à être connu au fur et à mesure et comme. J'avais déjà été consultant à la télévision Yoare. Les gens m'invitaient à la télévision. Je parlais sur de la sorcellerie. Ça faisait qu'on est, les journalistes venaient écrire parce que c'est du jamais vu. Quelqu'un qui est envoûté et qui est délivré. J'avais des cadenas mystiques qui étaient déterrés par le prophète. Il y avait pas mal de choses que Dieu faisait au travers de ma vie. Voilà, donc c'est le ministère, c'est franchement. Et quand le ministère a commencé à impacter la diaspora, et j'ai vu un nombre de personnes qui sont venues. De la France m'ont appelé pour dire il faut qu'on t'invite en France pour une croisade d'évangélisation en France. Et du coup, j'ai dit mais il n'y a pas de souci, envoie-moi l'invitation. Donc ils disent, ils ont fait une réunion pour dire ben, on va te faire venir. Ben, on a fait une réunion, il faut 30 000 euros. J'ai dit mais 30 000 euros, pourquoi? Voilà, 30 000 euros pour me faire venir en France. J'ai dit 30 000 euros pour venir, mais c'est énorme. Moi je vais seulement venir, moi je n'ai pas besoin. Quand je viens là, c'est fini. Ils disent non, il faut qu'on requiert l'argent, les contacts de ceux que tu as, il faut les appeler. Si tu as les contacts, nous, ça va gérer pour avoir de l'argent. Je dis non, ça là, c'est difficile. Moi, je ne peux pas vous donner les contacts. Moi, je ne sais même pas. Pourquoi vous donner les contacts? Moi, je ne commence pas sur la base de l'argent. Je viens, nous organisons les choses. Quand les gens vont me voir, ils viendront dans les croisades. Les gens disent non, et du coup, on ne s'est pas entendu. Donc, du coup, je devais venir en 2015 au départ, en février 2015, je crois, mars 2015. Et du coup, les gens ont dit, bon, si c'est ça, s'il ne veut pas qu'on requiert de l'argent, les 30 000 euros pour qu'il vienne, bon, ce n'est pas la peine. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas la peine. Donc, j'ai appelé mes connexions, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, je ne me reconnais pas dans cette organisation, donc je ne viens pas. Et du coup, les gens ont dit, bon, on le verrouille, la France, il ne viendra plus en France. Les gens ont appelé pour dire, non, il ne faut plus que le prophète Crasso vienne pour pas qu'on l'invite. Mais attends, la France, ça, ce n'est pas pour vos papas, ce n'est pas pour vos mamans. La France, ça, je connaissais. La France, là, ce n'est pas pour vos papas et vos mamans. Moi, je suis allé travailler en Afrique parce que je voulais travailler en Afrique. Je n'avais pas une ambition de venir travailler en Europe. Le jour où Dieu me verra en Europe, je viendrai en Europe. Et Delphine, qu'on appelle, ma fille d'Asti,
Elle m'a envoyé une invitation. Sa soeur avait des enfants de footballeurs. Elle aussi, elle vivait un problème. Je l'ai vue sur le Skype. J'ai dit, il faut que j'arrive. Elle était mourante. Ma fille était mourante. Donc, elle m'a donné une invitation, tout ça. Et puis, donc, plus un. J'ai eu mon visa pour l'Italie. J'ai eu mon visa d'Italie de, je crois, un mois, 2 mois. Voilà, d'Italie. Et puis, bon, elle m'a envoyé un billet. Et le billet qu'il m'a envoyé là, c'est un billet, c'est de Sabena. Un vol où je dois faire 8 heures de correspondance, n'est-ce pas, à Bruxelles. Et puis après ça, aller à Turin. J'ai dit, ouais, Séraphine plutôt, ma fille, Séraphine d'Asti. Voilà, elle était en 2015. Voilà, je vous parle d'octobre là-bas, 2015 là-bas. 2015 là-bas. Elle veut m'envoyer un billet pour partir. Voilà, elle veut m'envoyer, Séraphine, oui, Séraphine, ma fille, shalom à toi. Un billet. Donc le billet m'envoyé là, il faut prendre, j'ai dit, un billet. Où tu fais 8 heures de correspondance, c'est comme les avions Oro. Hein. Est-ce que moi, Séraphine, je ne suis pas en train de t'insulter, mais moi, j'aime les bonnes choses. J'ai dit, mais moi, l'avion, ce n'est pas mon camarade. Et puis, j'ai allé dans l'aéroport des Blancs. J'ai resté là. Oh, j'ai crédit de sommeil. J'ai voyagé toute une nuit. Maintenant, le billet Lolo, ça me prend. J'ai ronflé les Blancs, on va regarder dans mes narines. J'ai fait comment? Ils vont regarder dans mes narines. Tu es fatigué, tu fais 6 heures de vol. Tu descends à Bruxelles. Tu es fatigué, tu as crédit de sommeil. Mais tu vas ronfler tes narines là. Tu vas faire un biolo, les Blancs, bizarre, ils vont regarder tes narines. Non. Donc, du coup, j'avais de l'argent de l'économie. Je prends Sciences Tena. Ça dit que je devais partir le lendemain. Je prends la veille, c'est devenu cher. J'ai payé 1 500 000 francs Air France. Je prends mon billet d'avion Air France et je prends l'avion. J'ai dit à ma fille, j'ai changé de billet, je viens par Air France. Donc, je n'ai pas duré. J'ai pris Air France, je suis descendu en correspondance. Ça fait 2 heures. J'ai fait 2 heures de correspondance. C'est ce que je voulais. Je crois, 2 heures de correspondance, bien sûr. 2 heures de correspondance à Paris, de Paris maintenant Turin. Ils sont venus m'accueillir et je suis allé à Asti chez ma fille. J'ai prié pour elle, j'ai prié, n'est-ce pas, pour sa famille. Aujourd'hui, son neveu, il joue dans Juventus de Turin. Je vous parle de 2015. Il joue dans Juventus de Turin, tout ça. Et ceux qui me connaissaient déjà m'ont invité dans une autre vie qu'on appelle. Bon, autant ça va arriver, ça va venir. Donc j'ai eu l'envie d'aller sur Paris. Et quand je voulais aller sur Paris, il y a mes filles spirituelles qui est pharmacien qui vont m'envoyer 2000 euros. Voilà. Pour dire, même quand je suis allé à Asti, je ne dépendais même pas même de ma fille. J'avais de l'argent par la grâce de Dieu. Donc on me donne les 2000 euros. On m'envoie les 2000 euros. Il dit, mais tu prends ton billet et puis tu viens. Donc j'ai pris mon billet. J'ai payé mon propre billet pour rentrer sur Paris. Et quand je suis descendu sur Paris, ceux qui me voyaient déjà n'est-ce pas, en Italie, on commençait déjà à m'écrire pour dire, ah, le prophète en Europe. Et quand je suis venu, j'ai posté un truc sur ma page Facebook. Voilà, j'avais la connexion Internet ce jour-là. J'ai posté ici pour dire, je suis à Paris. Tout le monde a appelé. On avait déjà le secrétariat pour dire, on veut rencontrer le prophète. Donc, j'arrive un dimanche et puis j'organise, n'est-ce pas, une croisade et un mardi. On dit, non, ici, on organise les veillées, on organise les veillées, les vendredis. J'ai dit, moi, j'organise pour moi mardi. Ce qu'il y a en moi, là, ça ne va pas permettre aux gens, ils vont poser. C'est mardi. Effectivement, on a organisé à 20h. La salle est remplie. Allez voir sur YouTube. La salle est remplie. La salle est débordée. Les gens me regardent. Ils disent, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'onction. Quelqu'un qui a l'onction, là, il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. L'onction, c'est quelque chose qui attire les gens. L'onction, quand Dieu t'a appelé, ça dit ton ministère, ça permet aux gens de comprendre que ce qui est en toi est différent d'eux. Et ils voient en toi la solution à leurs problèmes. Donc, je suis allé mardi, la salle est remplie. Qui pouvait louper? Qui a envie de louper? Je n'avais pas de musicien. Hein? Parce que les gens ne pouvaient pas. Parce que moi, j'étais dans Tikiti. Amosaleo. Amosaleo. Donc, on habituait les tam-tam. Je n'avais pas encore d'orchestre. Hein. Quand je venais là, je n'avais pas encore des instruments. C'est après la croisade que de trucs. Donc après ça, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Voilà. Et après le mardi, on a vu que les gens disent, mais non, il faut que le prophète organise encore pour nous et qu'ils n'avons pas su et tout ça. On a organisé vendredi. Il y a du monde. La semaine passée, à l'arc, ça a suivi. Pendant 2 semaines, mouvement dans tout Paris. Et les gens ils savent. Donc, j'ai été jalousé par les pasteurs, les gens. Il y a un pasteur mais qui ne comprenait pas, un Congolais qui dit, mais attends, comment un homme de Dieu qui arrive, mais qu'est-ce qu'il a? Mais attends, est-ce que lui, là, qu'est-ce qu'il fait de sérieux? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de sérieux? Le monde.
Ils sont dépassés. La première fois, quelqu'un, on ne fait même pas de publicité, on n'affiche même pas des choses dans Paris, et il vient, il remplit une salle, et c'est débordé. Les gens pleurent, ils n'ont plus de place. Donc les gens, c'était ici, n'est-ce pas, à Romainville. À Romainville, ici, plein de gens étaient là. À Romainville, Dieu s'est manifesté. Beaucoup de guérisons. C'est là, ce jour-là, n'est-ce pas, on a pris encore une autre grande salle. Et il y a un monsieur qui dit qu'il avait mangé les trompes de sa femme avec sauce djunglé et, n'est-ce pas, placali. Ça s'est passé ici. Les vidéos sont là en ligne. Allez-y fouiller 2015 à Paris pour faire trois garçons à Paris. Donc, déjà, je suis venu, je vais commencer le ministère. Voilà, le ministère. Donc, après ça, n'est-ce pas, en 2016, je suis revenu encore sur l'Europe. Voilà, oui, je suis revenu sur l'Europe. Donc, c'est pas quelqu'un qui a dit au prophète, qui a fait le prophète. Vous savez, les invitations se faisaient parce que Dieu voulait que je vienne. Voilà, donc il fallait quelqu'un, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, s'accomplisse, n'est-ce pas, ma venue, si l'Europe, si les États-Unis et quelque part, l'Allemagne, tout ça. Mais je remercie le Seigneur d'avoir utilisé des personnes. Voilà, mais quand je voyage pour aller, par exemple, aux États-Unis, je ne vais pas aux États-Unis pour faire un concert. Je vais aux États-Unis parce que j'ai un don en moi, c'est tout. C'est le don. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était pareil. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées, n'est-ce pas, là où j'étais. Beaucoup de choses sont passées. C'est à partir de YouTube que tout le monde m'a connu. C'est à partir de YouTube où m'avez connu. C'est à partir de YouTube que vous avez vu en moi un guerrier, un combattant d'un mouvement qui est grave et sérieux, n'est-ce pas? Oui, c'est à partir de YouTube que vous avez compris que ce monsieur, n'est-ce pas, il rentre dans nos visions, il rentre dans une ambition. C'est un homme de Dieu comme ça qu'il faut pour le soutenir. Oui, c'est comme ça que vous êtes venu vers moi. Voilà, donc j'étais déjà prophète crasso. J'ai déjà traversé beaucoup de difficultés. Donc vous avez été un instrument de la main de Dieu pour m'aider à rentrer dans les grâces. Pour m'aider simplement à rentrer dans les grâces. Voilà, donc quand je voyage là, les gens peuvent ne pas venir. Voilà, parce que Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler, Dieu peut te donner un don, et puis la salle peut être vide. Mais toutefois que je partais, ce que les gens voyaient sur le YouTube, ils vivaient sans direct. J'avais des délivrances, des guérisons. Mais c'est ça. Il y a des gens qu'on invite ici à Paris qui ne peuvent pas remplir une salle. Moi, je ne suis pas là pour remplir une salle. Mais parce que comme c'est le temps, quand c'est le temps de Dieu, et tu reçois une bénédiction de ton Père spirituel, et quand tu voyages partout, tu es béni. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas l'argent. C'est quand Dieu, quand quelqu'un est béni, c'est-à-dire Dieu met au temps favorable des personnes qui l'utilisent pour t'aider. Donc, et Dieu envoie des gens. Voilà. Et quand Dieu envoie des gens, ce n'est pas parce que c'est ces gens-là qui me font. Non. Je reconnais leur mission dans ma vie. Je reconnais qu'à un moment donné, Dieu les a utilisés pour m'aider. Mais ce n'est pas eux qui m'ont fait. C'est Dieu qui m'a fait. Voilà. C'est Dieu. Je reconnais Dieu m'avoir fait. Ce n'est pas eux. Parce que ces mêmes personnes, j'ai prié pour eux. Parce qu'ils sont venus vers moi. J'ai prié pour eux. C'est parce que j'ai prié pour eux. Ils ont vu l'impact de ma prière sur leur vie qu'ils ont jugé bon de m'inviter là où ils sont. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me fait. C'est Dieu qui fait mon ministère. Voilà. Donc, et quand ils m'invitent dans les pays, alors, ils ne m'invitent pas pour une ambition. Ils ne m'invitent pas pour faire un concert. Ils m'invitent en tant qu'homme de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me fait. Non. Je suis désolé. Chacun joue sa mission. Moi, m'invite, je travaille. Je travaille pour Dieu. Voilà, donc je ne viens pas dans les pays pour m'aventurer. Je ne suis pas un aventurier. Voilà, je ne suis pas un aventurier. Donc, quand quelqu'un m'invite dans un pays, il doit comprendre que Dieu l'a simplement utilisé pour m'envoyer dans un pays. Pas lui qui me fait. Non, je suis désolé. Voilà, ça, je suis franchement désolé. Personne ne me fait, c'est Dieu. Mais je reconnais l'utilité de ces personnes-là dans ma vie. À un moment donné, le Seigneur les a utilisés. Maintenant, si à un moment donné, Dieu vous utilise pour m'aider dans le ministère. Mais attends, ne faites pas de ça un problème. Ce n'est pas à vous de me conduire. C'est ça le problème. Le problème de Moïse avec le peuple d'Israël, à un moment donné, comme il s'est familiarisé trop aux gens, Moïse s'est familiarisé trop aux gens, et il pensait qu'il était comme Moïse. Non, vous n'êtes pas comme Moïse. Tellement qu'il s'est familiarisé au peuple, il était tellement familiarisé au peuple qu'à un moment donné, n'est-ce pas, à un moment donné, le peuple a commencé à le banaliser. Et puis bon, le peuple a commencé à le banaliser. Et puis du coup, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. N'est-ce pas? Il a eu un miracle. Mais le même Moïse qui a été un homme patient, le plus patient de la terre, le même Moïse n'est pas rentré en Canaan
parce qu'il a obéi aux gens. C'est ce que je veux éviter, justement. C'est pour ça que quand il y a une relation entre père et fille ou fils spirituel, ça doit être basé sur la vision de Dieu. Quand je constate que ce n'est pas la vision de Dieu, que la personne veut me détourner d'une vision de Dieu, je me sépare de cette personne. Point et barre. Et quand je me sépare de cette personne, j'avance, je vous lis, parce que mon ministère ne dépend pas de quelqu'un, dépend de Dieu. Et ça, je le répète à qui veut l'entendre. Mon ministère dépend de Dieu, non pas de quelqu'un. C'est pour cela que j'ai reçu partout où Dieu m'envoie, parce que je l'écoute. Ce n'est pas quelqu'un qui me fait. Dieu t'a seulement utilisé. Et je lui rends toute la gloire pour ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui me... Je suis désolé. Ce n'est pas quelqu'un. Et ça, il faut bien entendre. Parce que c'est parti d'un point à un autre point. Voilà. Des gens, même, moi, une fois invité, mais en Europe, ici, ils m'ont jamais parlé. Les Séraphines n'ont jamais parlé. Moi, je demande à Séraphine. C'est moi qui ai payé mon billet. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me fait. Tu m'as fait comment? Tu m'as fait comment, même? Tu me fais comment? Donc, personne ne peut me faire. C'est Dieu seul qui fait mon ministère. C'est Dieu seul qui fait mon ministère. À un moment donné, il utilise quelqu'un. Mais si toi, il t'a utilisé, maintenant que toi, tu veux abuser, tu veux conduire la vision du prophète, je ne vais pas t'écouter. Moi, je n'écoute pas quelqu'un qui va me dérouter. Comme Moïse qui a été dérouté de la vision de Dieu, il est mort. Il n'est pas rentré à Canaan. J'ai souffert. C'est pour ça que je vais rentrer en Canaan. C'est parce que j'écoute Dieu, bien sûr. Je ne suis pas un homme têtu. Je ne suis pas un homme voyou. Je ne suis pas un homme qui est délinquant. Je ne suis pas un homme qui a l'oreille dure. Je ne suis pas un homme qui est mauvais. Je ne suis pas un homme qui est voyou, un délinquant. C'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu me donne les moyens. Je construis l'orphelinat. Oui, si j'étais un voyou, je n'allais pas construire l'orphelinat. J'allais prendre cet argent, aller m'acheter des villas. Mais voici ce qu'on dit, quelqu'un écoute l'homme. Qui le fait? Attends, c'est parce que j'écoute Dieu. À un moment donné, Dieu me dit, prends cet argent, va dépenser, va construire, va faire ça. Qui peut faire ça? Si je n'écoute pas Dieu, je ne peux pas faire ça. Donc, regardez mon parcours. Je pars d'un point. Juste quand j'arrive à la construction d'un orphelinat, j'organise le ministère. Donc, on part d'un point à un autre point, on rencontre. Parce que dans la vie, il faut faire des... C'est ce qu'on appelle les personnes opportunes. Il faut rencontrer des gens. Dieu passe par les gens pour bénir. Dieu passe par les gens pour élever des gens. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui m'as élevé. Non, c'est une rencontre. Ce qu'on appelle la rencontre, la personne opportune, pour m'apporter dans une élévation. OK? Voilà, mais ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a créé la rencontre. Et Dieu t'utilise simplement, comme il a utilisé le corbeau pour nourrir Élie. Et puis à un moment donné, quand tu ne rentres plus dans la vision de Dieu, Dieu parle à son serviteur, tu dis, ce n'est pas toi de cette personne. Voilà, je ne me sépare de cette personne et je volue de mes propres ailes. Voilà, je me volue de mes propres ailes. Voilà, et j'ai toujours été celui-là qui a toujours obéi à la voix de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu a décidé que cette année, n'est-ce pas, je viens, il m'a dit, un vent va souffler. N'est-ce pas, dans le ministère, un vent va souffler dans le ministère. Je vous annonçais ça. Je vous annonçais quand j'étais, n'est-ce pas, à New York. Les blancs, même qui étaient en train de checker autour de moi, m'ont dit, il faut faire attention parce qu'ils m'ont mis sur écoute. Ils ont mis tous mes collaborateurs sur écoute. Ils m'ont dit, fais attention à telle personne, telle personne, telle personne. Ils ne sont pas bien, ils sont avec toi, ils ne sont pas bien. Donc, moi, je savais déjà ce qui n'était pas bien autour de moi. Mais malgré ça, j'aidais les gens. Mais en même temps, un vent allait souffler sur le ministère. Le vent qui allait souffler sur le ministère, ça allait, n'est-ce pas, nous amener à organiser. Et donc Dieu dit organise. Je l'ai annoncé. J'ai annoncé ça cette année 2018. Maintenant, il faut organiser. Dieu merci, on a organisé des gens pour les suivre. Il fallait les suivre. Dieu est passé par Sylvie, Madame Seine. Voilà une fille, voici une fille, une dame qui ne se fait pas voir, qui ne pavane pas, qui ne bavade pas, mais une bonne fille qui est dans le secret. Madame Sylvie, Madame Seine. Elle m'a dit, beaucoup de gens m'ont appelé pour me détourner de toi. J'ai été convaincu, c'est sang d'une fille, des hommes de conviction. Ce n'est pas des traîtres, les gens qui viennent. Moi, là, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui va me induire en erreur. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un. J'aime perdre des gens. Elle m'a fait asseoir ma fille. Elle dit, mais est-ce que tu ne peux pas nous organiser? Organise-nous. Tu es notre père spirituel, nous sommes en Suisse ici. Nous sommes en Suisse ici, organise-nous. Donc elle-même, elle a pris sur elle le temps d'organiser la Suisse. C'est pour ça, Madame Seng, Madame Sylvie Seng, organiser la Suisse. Et on est parti d'elle, elle m'a dit, bien Dieu m'a parlé. N'est-ce pas? Jethro, c'est Jethro qui est venu structurer le ministère de Moïse. C'est Jethro qui a structuré, on dit serviteur de mendiants. Jethro était un féticheur, on dit serviteur de mendiants. Mendiants, c'était l'Égypte et l'Éthiopie. Mendiant, c'est l'Éthiopie. Il faut chercher l'historique de Mendiant, c'est l'Éthiopie. Et sa fille,
Sophora, sa fille Sophora a épousé Moïse. Et c'est lui qui est venu mettre de l'ordre, l'homme à qui Dieu parle face à face, un autre homme qui est sacrificateur de mendiants vient lui dire, c'est pas comme ça, il avait de la sagesse. Et c'est lui qui a aidé Moïse à structurer, n'est-ce pas, son ministère. Et ça a aidé Moïse. Donc, à un moment donné, Dieu envoie des gens qui te soulagent dans le ministère, pas pour venir te torturer. Donc, c'est la fille, Dieu est passé par Vitilivis, Madame Saint. Et nous avons tous épousé, et épousé l'idée. Donc, on a créé des plateformes de suivi. Et Dieu merci, les Denis Champions, n'est-ce pas, les Denis Champions, les Ludovic, n'est-ce pas, Maman Bessoura, beaucoup de personnes sont rentrées dans la chose pour m'aider, pour nous aider, n'est-ce pas, Paulin depuis Canada, on a vu Silla depuis la Belgique, on a vu aussi d'autres personnes, n'est-ce pas, je ne saurais citer tout le nom, mais tous ceux qui sont venus dans le ministère ont trouvé bon que désormais les enfants disputés de pouvoir cacher se mettent ensemble. Et Dieu nous donne une vision de bâtir une église à Pâques, parce que je loue cette maison qui a 10 lots. Je la loue. Je la loue à 150 000 francs par mois. Et non seulement ça, on a des dépenses qui sont énormes. Il faut payer le personnel et tout ça. Donc, on a décidé maintenant de vivre chez nous. Donc, on a un terrain. Le président, c'est que vous voyez, le propriétaire terrain de Divo. Et c'est lui qui nous donne un terrain pour la construction d'un temple où nous allons maintenant vivre. Donc, on a un projet de construire un temple de 2000 places. Et dans les 2000 places, on aura, n'est-ce pas, dans les 2000 places de cette église, on a même temps dans cette église un complexe scolaire. On a même temps à côté, n'est-ce pas, un hôtel. On a même temps à part et le logement des filles, des sœurs du ministère. On a même temps, n'est-ce pas, un supermarché et tout ça. Donc, on a le plan. Donc, il faut construire. On part d'un autre point à un autre point. Donc, c'est une vision. Il faut asseoir les gens et puis maintenant parler. Maintenant, il faut chercher les moyens. Les moyens, là, il faut regrouper des personnes. C'est à partir d'eux, le Seigneur suscite les moyens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, justement. Et c'est ce qui m'a conduit en Europe aujourd'hui. Voilà. Et Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir une mission, parce que je n'ai pas d'église, je n'ai pas de mission. La plupart des gens, ils vont, n'est-ce pas, dans d'autres communautés. C'est difficile, parce que pendant que je les prêche, ils sont dans d'autres églises. Et c'était difficile, c'est les visions contraires. Donc, il faut rassembler les gens. Donc, voici le travail qu'ils sont en train de faire. Je ne me paie pas, frère, ma soeur et mon frère. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas le délinquant que tu imagines. J'ai des défauts. J'ai des défauts. J'ai aussi des qualités. Mais je suis un homme très intelligent. Et j'ai l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir sur les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un. Je suis un homme que Dieu a doté d'une sagesse. J'écoute, c'est pour ça que je reçus dans mon ministère. Quand je pose un acte, quand les gens me suivent dedans, ils sont bénis. Quand ils devaient construire l'orphelinat, mais ça crée ce que ça pouvait créer à Divo. Ça crée ce que ça pouvait créer. Seiko, elle est partie. En janvier, elle est revenue. Seiko est partie de l'église. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas accepter qu'on n'a même pas construit, n'est-ce pas, l'église. Et moi, je me lève un matin, je vais construire l'orphelinat. Qui va les nourrir? Donc, ça crée, les gens, ils avaient peur. C'est une chance énorme. Je dis, je vais construire. J'étais le premier à vendre ma voiture. Ce n'est pas 5 francs de l'église qui a construit l'orphelinat. Ce n'est pas 5 francs de l'église qui a construit l'orphelinat. Donc, d'autres personnes sont parties. Et moi, je les ai laissées partir parce que, frère, tu ne peux pas venir embrouiller ma vision. Et donc, on ne s'est pas entendu sur certaines choses. Et à un moment donné, les gens ont vu, on a eu la fondation, on a inauguré, et les gens ont dit, on va voir. D'autres ont dit, si on le quitte, on va voir qui va le soutenir. Mais ils ne savent pas que j'ai l'Éternel des armées. Je vais gérer l'Éternel, le Dieu pouvoir avec moi. Sauf cela, frère, tu vas beau me combattre, tu vas beau faire, tu ne pourras jamais me vaincre. Personne ne pourra me vaincre. Vous allez commencer le combat. Mais qui va finir le coup, terminer? Parce que j'en ai vécu beaucoup. Je dis aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'ébranler. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Plus vous me vilipendez, mais vous me préparez. C'est-à-dire, moi, ça ne me dit rien. Franchement, rien. Ça ne me dit rien. M'insulter, me rencontrer des conneries, des mensonges, troquer mon image, salir mon image. Ah, mon frère, ça ne me dit rien. Parce que Dieu est avec moi. Et quand Dieu est avec une personne, c'est lui qui l'élève, c'est lui qui roche son image. Jésus même a été traité de Belzébul. Jésus a été traité de faux. L'apôtre Paul a connu des faux types et des vrais types. Donc, ce n'est pas étranger à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Si c'est pour une vision aujourd'hui, qu'on me combat, gloire à Dieu. Donc, j'ai organisé tout le monde. Donc, les faux types du ministère sont en train de partir. Donc, un mouvement se crée et ceux qui sont faux partent du ministère. Part du ministère. Malheureusement.
Et heureusement, on reconnaît les vrais enfants loyaux au ministère qui décident, eux, de prendre les choses en main. Parce qu'il y a des enfants qui rentrent dedans, comme on appelle les marques, qui se reconnaissent dans l'œuvre de Dieu et qui prennent les choses en main. Nous, on est en train d'organiser ici, on a eu les papiers de l'ONG, Espoir, Europe, Espoir, pour promouvoir, n'est-ce pas, la scolarité, pour aller scolariser les enfants africains. On a créé l'ONG. Voici les idées que le prophète a. Si on est assis ici, et quand on part à l'Union européenne, quand on part dans d'autres institutions, n'est-ce pas, européens, les blancs, ils vont nous aider à aller scolariser nos enfants africains pour que d'ici 30 ans, ces enfants... Regardez la vision que j'ai. Mais qu'est-ce qui prouve que ce monsieur dit la vérité? J'ai déjà fait chez moi. J'ai déjà fait chez moi, donc j'ai déjà l'expertise, n'est-ce pas, l'expérience pour pouvoir créer des choses à Bangui, les créer des choses, n'est-ce pas, au Cameroun. Voici au Cameroun. Il faut que j'arrive au Cameroun. J'aime bien le Cameroun. Je viendrai au Cameroun. Au Centrafrique, à Bangui, je salue Ludovic de passage, en Guinée, où j'ai aidé aussi, n'est-ce pas, la femme du président, j'ai aidé aussi là-bas, n'est-ce pas, des personnes à créer l'orphelinat. Donc, pour moi, je me bats aussi pour les enfants en difficulté. Donc, ici, nous travaillons pour la diaspora et pour l'Afrique, pour que les gens n'aient plus peur à venir investir en Afrique. Voici le combat que nous menons. Voici le combat que nous menons. Voici le combat du prophète Crasso. Voici mon combat que je mène. Et donc, il fallait s'organiser. Dieu merci. Il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Il y a d'autres qui ont accepté. Mais si vous n'acceptez pas, partez. Tranquillement. Et Dieu merci, il y a des personnes qui ont pris les choses en main. En Angleterre, bien sûr, en Angleterre. On a aussi une équipe en Angleterre, bien organisée en Angleterre. Je vous informe aussi qu'en Nouvelle-Zélande, à Sydney, en Nouvelle-Zélande, on a une équipe là-bas d'une de mes filles spirituelles qui a... avec une équipe là-bas de prière en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas, qui a une équipe là-bas qui me soutient aussi, qui m'apporte une invitation pour la Nouvelle-Zélande ou en Australie, vous comprenez, la Nouvelle-Zélande. Donc, les gens me suivent dans le monde. Je suis suivi par 365 pays dans le monde. Le Tchad créé, nous allons venir. On ne se lève pas comme ça pour dire, ah, le Tchad, non, le Tchad, là, c'est les Tchadiens qui se présentent, et puis nous, on fait le travail. Ouais. On fait le travail. Donc, voici ça un peu. Donc, on est en train de s'organiser. On a déjà le groupe spirituel du prophète Crasso en France. Mais c'est toujours à la France, on a toujours des problèmes. C'est toujours à la France, on a toujours des problèmes. On n'a jamais eu de problèmes avec les gens, n'est-ce pas? Mes problèmes même viennent toujours de la France. C'est ici, toujours, il y a le problème. C'est ici. Ah! Il y a quoi? C'est ici. Ah, en Italie, on n'a pas entendu de bruit. Et toujours mes attaques, toujours les secs. C'est de la France. C'est la France. En Italie, propre. En Allemagne, propre. Bruxelles, propre. C'est la France. Mais le cas, vous savez, nous on avance, donc on attend d'organiser. On a une convention. On est en train de préparer une convention. Je discute avec toute l'église. Je décide, moi, prophète Crasso, de confier mes enfants. Je suis père de famille. Donc je confie mes enfants à quelqu'un pour dire, reste là, suivez mes enfants. Donc si tu veux partir de la maison, tu attends le propriétaire des enfants et tu lui fais les points. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Il envoie les gens vers toi, tu ne décroches pas. Il envoie présent Seco, tu ne le reçois pas, tu le nargues. On est plus âgé que toi. On est plus âgé que toi. Tu nargues les gens. Tu ne veux pas l'écouter. Même si tu penses qu'on t'a fait quelque chose de grave, ce qui n'est pas vrai, parce que tous ces discussions sur cette terre, moi, je ne t'ai jamais fait quelque chose de mal. Je ne t'ai jamais fait quelque chose de mal. Mais on s'assoit, on discute. On a vu la Côte d'Ivoire, une rébellion. La rébellion du Nord et celle de Gbagbo se sont signés un moment. Ils ont parlé. À cause de la paix, Sorou Diome est devenu Premier ministre. Qu'est-ce que ne se règle pas dans ce monde ici? Et pour qu'un pasteur laisse une église, il va. Et moi, je parle. C'est-à-dire, lui, il parle. Et vous trouvez qu'il est sage. Vous trouvez qu'il est sage sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on parle d'un père spirituel. On ne se met pas là pour jouer les sages, les semblants d'être sages sur les réseaux sociaux. Non! Si tu reportes quelque chose à ton père, tu l'appelles. Je suis ton père spirituel. Moi, je suis ici. Je suis ton père spirituel. Il était le premier à dire une campagne de dénigrement contre le pasteur Philippe Vigent. Mais on ne te dénigre pas. On ne peut pas te dénigrer. Quelqu'un qu'on aime, c'est parce que quand je t'aime que je te confie. Attends, je peux fermer l'église. Je peux fermer le centre de Divo voyager. Quand je reviens, je ouvre le centre. Et puis, là, si les gens ne viennent pas à ton nom. La preuve, c'est que quand je suis en voyage, les gens disent qu'on attend le prophète pour faire nos délivrances. Non, je peux fermer le centre, mais je te fais confiance. Hé, hey, la confiance, ça se mérite. C'est moi aujourd'hui qu'on trouve que non, c'est lui qui est sage, et moi, je ne suis pas sage. Mais celui qui dit ça,
Ça veut dire que déjà, on sait déjà qui monte les choses. Voilà. Je l'ai appelé pour dire les choses. Les gens auraient voulu, les choses ont voulu que tu restes et que je vienne et que, n'est-ce pas, et que tu m'exprimes ce qu'on a fait. Tout se discute. Si tu penses que je t'ai offensé, mais attends, on est dans une église, ce n'est pas la rue. Les choses ne se règlent pas comme ça. Les choses de Dieu se règlent avec sagesse. Donc la sagesse, là, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour venir parler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est le savoir se contenir, le savoir s'y prendre, le savoir parler à ses aînés. Laisse-moi faire de Dieu, je suis ton grand frère. Je ne suis pas ton petit frère, je suis ton grand frère. Encore, je suis ton père spirituel qui, à un moment donné de ta vie, qui t'a apporté beaucoup de connaissances. Ton nom, là, aujourd'hui, on parle, là, c'est à cause du prophète Crasso. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Donc, tu m'as trahi. C'est ce qu'on appelle la trahison. Parce que la confiance, ça se mérite. Tu m'aurais dit la vérité en face. Voici ce que je te reproche. C'est pas en dehors. Je suis à l'étranger. Je prépare une convention. Encore, on a un projet, la construction d'une église de 2000 places. Ce n'est pas vous. L'église de Divo là, n'a jamais... Je n'ai jamais fait cotiser l'église de Divo. Je n'ai pas... Eux-mêmes, ils savent très bien que les instruments, c'est moi qui les ai payés. Je n'ai jamais fait cotiser l'église de Divo. Je n'ai jamais fait cotiser... Tous les instruments de 3 millions, c'est moi qui viens. Ce n'est pas eux qui paient mon billet d'avion pour venir en Europe. Aucun d'entre eux n'a jamais payé mon billet d'avion pour dire comme tu voyages en tête. Personne. Il y a quel argent là-bas? Mais tout l'argent que j'ai, je l'investis dans l'œuvre. Je ne réfléchis que pour eux. Je ne fais que pour eux. On attend de préparer la convention. La moyenne à qui tout? Comment ça s'organise? Mais c'est justement, ça s'organise comment? Pourquoi maintenant on n'apprend pas une organisation de taille telle qu'une convention? Et du coup, on m'abandonne. Du coup, on laisse cette église. L'église n'a pas de tes nouvelles pendant 3 semaines. Et l'église, moi j'appelle un matin, on me dit que tu es malade. Je t'appelle pour avoir de tes nouvelles, tu ne me décroches pas. Et tu ne veux rien dire. Mais attends, ce n'est pas la délinquance. C'est quand même l'affaire de Dieu, c'est quand même sérieux. Ça se parle, ça se dit. Tu parles et tu dis ce que tu veux. Pas parce que tu es utile tellement que on n'a même pas... Non. Mais il faut savoir partir. On peut savoir les raisons. Et puis d'ailleurs, tu peux ouvrir une église. Moi, je peux aller t'installer. Je peux t'installer. Aller t'installer dans ton église. Le jour où j'ai besoin de toi, tu viens prêcher. Et ça, je peux le faire. J'ai ce cœur-là. Moi, j'ai ce cœur-là. Mon cœur n'est pas mauvais. Je suis quelqu'un... Mon fond n'est pas mauvais. On peut peut-être me reprocher certaines choses, mais mon cœur est bon. Peut-être vous allez dire, ah, ils exagèrent. Ils disent, non, mon fond n'est pas mauvais. Mon fond n'est pas mauvais. Je n'ai pas un fond qui est mauvais. Je n'ai pas un problème d'argent. Je peux dépouiller l'argent pour aider les gens. Donc, moi, un problème d'argent, ce n'est pas un problème. Mais te faire confiance, te confier une église et que tu laisses cette église, peu importe peut-être ce que tu penses ou reproches à quelqu'un, mais il faut m'attendre. Il faut m'attendre. Il faut m'attendre. Et puis on te confie l'église. Tu fais les points, même si tu dois déménager, il y a le bailleur. Tu dis au bailleur, et puis le bailleur vient faire l'état des lieux, c'est sa maison. C'est ta maison. Il fait l'état des lieux, tu lui remets les clés et tu t'en vas. Mais je suis absent. Et tu dis non, tu ne viens plus, tu t'absentes. Tu dis que tu es malade. Si l'aspect, je suis malade, et après ça, n'est-ce pas, tu dégages. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, voici un peu. Mais pour dire, le prophète Crasso, il a toujours marché dans la sagesse. J'ai toujours marché dans la sagesse. C'est comme ça ma vie. C'est comme ça ma vie. Ma vie était toujours comme ça. Ma vie était toujours comme ça. Et c'est ça. Malheureusement, je vis des choses que je ne dois pas vivre. Et qu'un homme comme ça, comme moi, doit être traité de cette manière. Non, pour dire, ce n'est pas quelqu'un. Est-ce qu'un homme de Dieu de ma tranche doit être traité de cette manière? Je dis non. Un homme de Dieu de ma tranche ne doit pas être traité de cette manière. Voilà, donc, regardez. Le diable a une manière de se manifester et que par moment, si vous ne savez pas, vous allez penser que c'est Dieu ou que c'est le diable qui est derrière. Ce serait que un enfant de Dieu doit être doté d'une sagesse, un enfant de Dieu doit être doté d'une douceur, un enfant de Dieu doit être doté de beaucoup de grâce. Nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons aborder un thème très important. La méchanceté. La méchanceté, c'est quoi?
Comment renverser le pouvoir du diable? D'abord, le diable, les éléments du diable se résument en la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un, quand on dit les méchants, c'est quelqu'un à qui tu fais du bien et en retour, tu fais du mal. Tu lui fais du bien et en retour, il te fait du mal. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. Mais là, regardez ce que la Bible dit de la méchanceté. Regardez du méchant. Regardez ce que la Bible même dit de celui-même qui pratique la méchanceté. Quand vous écoutez le psaume 32, le verset 10, le psaume 32, le verset 10. Il dit, beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Beaucoup de douleurs sont de la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. C'est-à-dire, le méchant, celui qui fait du méchant, la méchanceté, le méchant là, n'est-ce pas? Sa vie sera pleine de douleurs demain. Mais celui, n'est-ce pas, qui se confie en l'Éternel, qui laisse Dieu le diriger et qui fait du bien, sa vie environnée, n'est-ce pas, de grâce. Et c'est la grâce qu'on cherche, la grâce qu'on appelle la bénédiction. Vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible encore dit encore du méchant? Le méchant, regardez ce que la Bible dit du méchant. Dans le psaume 37, le verset 13. Le psaume 37, le verset 7. Écoutez très bien. Le psaume 37, le verset... Voilà, nous allons... On dit... Voilà, le verset 13. Le psaume 37, le verset 13. Vous allez écouter la parole de Dieu. Le psaume, le verset 13. On dit, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour est arrivé. On dit, le Seigneur se rit du méchant. Vous savez, le Seigneur, quand il voit le méchant, les gens qui sont méchants, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal. Ils sont là, ils rient. C'est-à-dire, ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils ont crié quelque chose. Ça fait mal aux gens, ils rient. On dit, Dieu, pendant que toi, tu ris parce que tu as commis un acte, Dieu même, il rit de toi, il te regarde. N'est-ce pas? Dans le psaume 37, le verset 13, on dit, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour est arrivé. C'est-à-dire, ton jour sera très grave. Ton jour, c'est pour cela que quand tu fais la méchanceté en retour, ton jour sera grave. Ce que tu fais sera très, très, très grave. Voilà, il dit, son jour est arrivé. Donc, Dieu lui-même, il te pousse, n'est-ce pas, à faire des choses, n'est-ce pas, qu'il ne devait pas faire. Donc, quand vous lisez un peu Exode, dans Exode, le chapitre 23, le verset 1. Exode 23, le verset 1. Nous continuons toujours dans la méchanceté. Exode 23, le verset 1. Les gars, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut faire du bien aux gens. Moi, j'ai peur de faire les vilaines choses. J'ai peur d'être méchant. J'ai peur d'être méchant. Parce que le sort des méchants est très grave. Le sort des méchants, c'est très grave. Et quand Dieu veut te détruire, il te donne un esprit d'égarement. On te parle, tu n'écoutes pas. Ton esprit est égaré. C'est-à-dire, tu n'écoutes personne parce que Dieu veut te châtier. Voilà, donc, tu persévères dans ta méchanceté et ça pousse Dieu à te châtier. Exode 23, le verset 1. Exode 23, le verset 1. Exode 23, le verset 1. On dit, tu ne réponds point de défaut bruit, mais tu joindras point aux méchants. Voilà. On dit, tu ne te joindras pas aux méchants pour témoigner. Parce que c'est ça. Ça veut dire, quand il y a une méchanceté qui crée dans la vie de quelqu'un, et quand tu te joins à ce méchant, ça veut dire c'est une complicité de méchanceté à l'égard de quelqu'un. C'est pour ça que quand quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, faut jamais te mettre en compagnie des méchants. Faut jamais. Voilà. Quand les gens, ils voient le mal, ils sont contents, ils se réjouissent. Mais la Bible dit, c'est un danger. C'est un danger de se mettre en compagnie des méchants. C'est très dangereux de se mettre en compagnie des méchants. C'est très dangereux. Nous disons le psaume, n'est-ce pas, le psaume 1, le verset 3. Je vais vous amener un peu dans les versets. Vous allez comprendre. Vous allez voir où je vais arriver tout à l'heure. Je vais arriver quelque part tout à l'heure. Vous allez arriver tout à l'heure quelque part. Le psaume 1, le verset 5. Le psaume 1, le verset 5. Le psaume 1, le verset 5. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est ça qui est très important. L'erreur des gens, ils ne savent pas lire. Ils ne connaissent pas la Bible. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent point au jugement, du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de Dieu. C'est pourquoi, c'est pour cela que quand quelqu'un te fait du mal, et en retour, tu lui as fait une confiance, et il te dit, frère, à une certaine heure, que je n'ose pas dire, parce qu'il y a des actions prophétiques,
Peut-être que d'autres personnes sont, n'est-ce pas, sont pas encore matures, qu'on ne peut pas partager d'autres actions prophétiques avec eux. Somme le chapitre 1, le verset 5. On dit c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement. C'est-à-dire que le méchant, là, quand tu dis ce qu'il a fait contre toi, à une certaine heure, tu vas, c'est ce qu'on appelle invoquer Dieu, tu sors de ta maison et tu vas te mettre, je ne dis pas, parce que je ne veux pas susciter certaines choses. Dieu, obligé d'agir. Baruch HaShem, obligé d'agir. Baruch HaShem, obligé de rentrer en action rapidement pour intervenir. Et le méchant, il est rusé. Il pense qu'il est là, à côté de toi. Il est là, à côté de toi. Mais en même temps, il est rusé. Il use son ruse pour pouvoir te torturer. C'est-à-dire, en même temps qu'il est avec toi, il est avec tes ennemis. En même temps qu'il est avec toi, il est avec tes ennemis. C'est l'image de la sorcellerie, la méchanceté. La Bible dit que le méchant ne résiste pas au jugement. Donc, quand vous êtes méchant, le cœur est méchant, vois quelqu'un dans les difficultés, se moquer, parce que vous voulez créer une difficulté. Vous riez, vous l'insultez, tu l'insultes, tu te... Voilà, Dieu envoie un châtiment. Voilà, Dieu envoie un châtiment et le Seigneur ne tarde pas à agir. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment très important. Et il faut éviter de rentrer dans la méchanceté. Et ça, il faut éviter. C'est pour cela que la méchanceté, c'est un élément qu'on ne doit pas conseiller aux gens. Il faut éviter de rentrer dans la méchanceté parce que le méchant est châtié. Voilà, le méchant est châtié par le Seigneur. Donc, que Dieu bénisse, voilà, votre vie, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre grâce. Je crois que la grâce de Dieu abonde à votre égard, que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Et moi, je prie Dieu pour et avoir un bon cœur. Je prie Dieu, je ne suis pas juste. Je veux que mon cœur soit bon. Je veux que mon cœur, je ne suis pas juste. Et moi, je prie toujours Dieu face à une situation. Voilà. Les gens pensent que, non, moi, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me donner des conseils. Les conseils, là, Dieu passe par quelqu'un qui me parlait, bien sûr. Mais quand tu grandis spirituellement, tu as ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ton cœur a peur de poser des actes qu'il ne faut pas faire. Les actes qu'on ne doit pas faire. Les actes. Et donc, je prie toujours Dieu. Moi, mon fond, c'est ça, il dit, Seigneur, s'il y a un fond qui est méchant, s'il y a un fond qui est mauvais, enlève ça de mon cœur. Je ne veux pas être mauvais. Je ne veux pas être méchant. Et c'est ma prière. Frère, il faut que ça soit ta prière. Hein? Il ne faut pas être à la base de la destruction de quelqu'un. Ne sois pas la base de, n'est-ce pas? On dit que le scandale arrive, mais malheur par qui? Ne sois pas la base de la destruction de quelqu'un. Il ne faut pas que le diable t'utilise et ne te réjouis pas du mal. Car le jugement des mâles, on dit le jugement, le méchant ne résiste pas au jugement. Le méchant, si tu n'es pas dans une affaire, moi c'est comme ça que je suis. Quand je ne suis pas dans une affaire, frère, je te montre, je n'ai pas le cœur d'hypocrisie. Je me pose la question, ceux qui sont hypocrites là, mais c'est grave. Je ne sais pas comment ils font pour être hypocrites. Quand je ne suis pas dans une affaire, je te dis ma vérité, je ne suis même pas, je ne te suis même pas. Que je commence à voir que tu es bizarre autour de moi, je te boucle. Via Facebook. C'est pour dire, le méchant ne résiste pas. Le méchant, vous voyez là, il ne résistera jamais. Il ne résistera jamais. Il ne réussira jamais. Il va beau faire. C'est cela que bannissez. Il ne faut jamais, ne vous mettez jamais en compagnie des moqueurs. Ne vous mettez jamais en compagnie des destructeurs. Parce que ce qui est en vous, éloignez-vous de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être avec toi. Par contre, il n'est pas véritablement avec toi. Il fait comprendre, il fait croire qu'il vient, il est avec toi. Ou en réalité, il pense que tu ne sais pas. Mais en réalité, il n'est pas. C'est ça l'image de la sorcellerie. Évitez d'être dans l'hypocrisie. Parce que le chrétien n'est pas hypocrite. Ton oui doit être oui et ton non doit être non. Il faut être à mesure de dire la vérité quand il s'agit de dire la vérité. Il faut être à mesure de dire non quand c'est non. Voilà, il faut avoir le courage. Il faut être un homme de vérité. Il faut être un homme sincère, de conviction. Et ne sois pas hypocrite. Parce que l'image de l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie. Tu n'es pas obligé. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Il ne faut pas le nuire. Donc, un chrétien doit éviter d'être méchant. Un chrétien doit éviter d'être hypocrite. Frère,
Prions chaque jour pour nos cœurs, que le Seigneur nous donne un cœur apaisé. Que le Seigneur nous donne un cœur qui est bon. La bonté, c'est le fruit de l'esprit. Tu regardes les choses et au nom du Seigneur, tu laisses tomber. Au nom du Seigneur, au lieu que tu rendes le mal pour le bien, n'est-ce pas? Le mal par le mal, tu fais le bien par le mal et tu dis, je laisse pour moi à Dieu. Et c'est ça l'image que l'apôtre Paul a présentée à Alexandre le forgeron qui chercha le nuit. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait du mal, mais je laisse pour moi à Dieu. 2 Timothée 4, le verset 14. Il arrivera où des moments où les gens vont te nuire. Mes frères, il faut te dire, ton cœur ne permet pas que ton cœur cède, n'est-ce pas, à la méchanceté. Parce que la méchanceté, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, tu es animé d'une sagesse. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu es bon autour de toi. Les gens voient le fruit. On dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ce n'est pas l'arbre, mais c'est les fruits qui se dégagent, ton caractère de chaque jour. C'est cela que, frère, il faut que le Saint-Esprit... Il faut que nous soyons animés de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons animés du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous habite. Il faut que l'onction de Dieu nous habite. Et ça, c'est ma prière. Si vous avez l'onction de Dieu, si nous avons l'onction de Dieu, nous ne cesserons de faire du bien aux gens. Nous ne cesserons de faire du bien aux gens. Et ça, c'est vraiment très important de faire du bien. Quand tu fais du bien, tu reçois toujours la bénédiction du Seigneur. Quand tu fais du bien au Seigneur, du bien, tu reçois toujours la bénédiction du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la main de Dieu chez vous. Recevez toute la bénédiction de Dieu chez vous. Que Dieu vous anime d'un esprit de sagesse. Que Dieu vous anime d'un esprit de bonté. Évitez, n'est-ce pas, de nuire. N'ayez pas l'image de la sorcellerie. Si tu n'es pas dans une affaire, évite d'être à la base de la destruction de quelqu'un. Évite d'être à la base, sinon c'est l'image de la sorcellerie. L'hypocrisie est un mal, c'est vrai, mais c'est l'image de la sorcellerie. C'est l'image de la sorcellerie. Fais semblant d'être avec quelqu'un, or tu n'es pas vraiment la personne qu'il faut. Et tu es là, et c'est toi qui fais autre chose, et on est surpris que ce soit toi. Voilà l'image de la sorcellerie. Que Dieu nous aide, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide. Nous allons tous prier. Vous faites avec moi, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Nous prions ensemble, Seigneur, tu pries avec moi. J'ai besoin que mon cœur soit transformé ce soir. J'ai besoin que ta main vienne sur ma vie. J'ai besoin que ce cœur soit animé d'une transformation. J'ai besoin que mon cœur et ma vie soient le temple du Saint-Esprit. Enlève dans mon cœur toute forme d'animosité. Enlève dans mon cœur toute sorte de méchanceté. Enlève dans ma vie toute sorte de vilaines choses. Aide-moi à aller très loin avec toi. Aide-moi à aller dans ta grâce. Aide-moi à être animé d'un esprit de bonté. Aide-moi à être animé d'un esprit de sagesse comme toi. Saint-Esprit, aide-moi à, n'est-ce pas, à supporter et à aimer, n'est-ce pas, à t'aimer davantage et à aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, aide-moi. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur vous anime de grâce. Celui qui était souffrant, recevez la grâce de Dieu. Je vais vous parler encore demain. Demain, on aura encore beaucoup de choses. Cette fois-ci, je ne reviendrai plus sur tout ça. Il fallait vraiment faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des voies de mémoire, parler un peu du prophète, de son histoire, de partir d'où à où. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà, de parler de son histoire. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'était vraiment important de savoir qui est le prophète Crasso, d'où il est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, d'où il s'en va avec vous. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'était des voies de mémoire. Il fallait revenir là-dessus. J'ai été inspiré de Dieu pour le faire. Donc, soyez bénis. Alors, l'invitation demeure. Le 8, n'est-ce pas, venez, n'est-ce pas, à Vitry-sur-Seine. Le 8 juillet, venez à Vitry-sur-Seine. Voilà, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que la grâce de Dieu vous anime à Vitry-sur-Seine. Venez pour la grâce de Dieu. Nous allons partager ensemble. Voilà. Nous allons partager la grâce de Dieu. Voilà. Et puis, que Dieu bénisse. Voilà. Et dans, je tenais aussi à dire, arrêtez de m'envoyer des messages pour me draguer sur inbox. Arrêtez ça. Voilà. Moi, je ne suis pas le genre bizarre. Arrêtez. Voilà, arrêtez aussi de m'envoyer des messages bizarres. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je vais servir Dieu dans la vérité. Je vais servir Dieu. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai résisté à beaucoup de choses. J'ai des femmes qui m'ont acheté. Il y a beaucoup de femmes.
Si je voulais regarder à certains l'argent, vous qui proposez l'argent pour marier le prophète Crasso, vous qui proposez l'argent pour faire ceci, cela, arrêtez cette sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Voilà. Moi, j'ai besoin d'une femme dans ma vie, une femme qui est un noin. Voilà, soumise. En français, ils vont dire noin. J'ai soumise une femme dont la bouche est désarmée, une femme qui va m'aider dans le ministère, une femme qui va me faire avancer, une femme qui va me faire rentrer dans le ministère. Pas une femme qui convoite l'onction qui est sur moi, comme ça, Dalila. Faut pas convoiter l'onction, je t'en prie. Faut pas chercher à me nuire. Voilà, les femmes, chercher l'onction qui est... Non. Faut pas convoiter l'onction qui est sur moi. Non. Faut pas convoiter l'onction qui est sur moi. Non. Faut pas chercher à mes nuits. Les gens, ils viennent parce que le prophète, peut-être... J'ai pas l'argent. Mon argent, là, je donne ça aux orphelins. Pardonnez, aie pitié de moi. Ne venez pas me détruire. Vous envoyez les messages bizarres. Vous envoyez... C'est moi où vous voulez marier. Ah, vous aussi. C'est moi où vous guettez. Vous avez quel problème? Le problème, il est où? Depuis me poursuivre avec ça, vous me torturez à faire de ça. Je vais te marier. Je vais te faire ça. Frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Moi, je ne me cache pas pour faire mes trucs. Mes trucs sont clairs. J'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà. Et moi, je ne suis pas des gens à m'amuser. J'aime cette personne qui est dans ma vie. Voilà. Donc, arrêtez de m'emmerder dans vos histoires. Parce qu'à un moment, vous m'emmerdez toujours. T'es plus m'emmerder. Me proposer quoi? Si j'ai bien dans ta vie, je te fais ça. Arrête ça. Arrêtez de m'envoyer des messages. Excusez-moi la con. Voilà, arrêtez de m'envoyer les messages à la con. Voilà, arrêtez ça. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Pardonnez, aidez-moi pour aller dans mon ministère. Voilà, ne faites pas les rhéntologies. Moi, je suis dans rhématologie, le rhéma. Mais ne m'envoyez pas dans rhéntologie. La rhéntologie... Dieu ne m'a pas envoyé dans les rhétologies. Dieu m'a envoyé dans la brigade anti-sorcier. Donc désormais, les rhétologies, dégagez du ministère. Voilà, dégagez. Dégagez du ministère. On est ensemble. En août, vous verrez la vérité. Vous verrez la vérité en août. Voilà, moi je ne suis pas là pour parler. Moi je ne me cache pas pour faire mes trucs. Moi je ne suis pas quelqu'un... qui aime se cacher. Mes trucs sont patac, bébé. Mes trucs, donc, mais arrêtez de m'emmerder. Vous m'emmerdez depuis là. Voilà. Vous savez, vous êtes nombreuses comme ça qui m'emmerdez. J'ai fait quoi? Laissez-moi tranquille. Désormais, si vous m'attaquez, aie pitié de moi. La brigade priez pour moi parce que je suis en saillie. On veut me détruire avec la rhéntologie. Le fait sur vous là-bas. Je ne suis pas un rhéntrologue. Hey, pitié de moi, il y a quoi? Shalom. En août, rendez-vous en août. Vous serez la vérité en route. Ce que vous attendez de bavader, ça c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Vous bavadez. Moi, je ne me cache pas pour faire mes trucs. Mes trucs sont bébé, mais arrêtez de m'emmerder. Arrêtez. Une vraie femme, j'ai besoin d'elle. Celle qui va me supporter. Quand on m'insulte, quand on me rencontre des bêtises, cette femme qui sera toujours à mes côtés pour dire ça va aller. Cette femme qui ne fuit pas. Cette femme qui n'écoute pas les on-dit. Cette femme qui est sage, qui va me donner la conseil. C'est celle-là que je veux dans mon ministère. Parce que j'ai déjà un ministère qui est beaucoup attaqué. Les gens rencontrent ce qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, je veux une femme qui est dure dans la tête, qui est sage pour être avec moi. Très bientôt, vous saurez ça. Très bientôt. Je ne me suis pas encore prononcé. Vous saurez ça très bientôt. Voilà. Rendez-vous en août. Mais demain soir, nous allons voir le mystère des soleils. Je vais revenir sur le soleil demain. Et ça, je vous promets. Demain, je serai en Suisse.
Demain, je suis invité en Suisse, en privé en Suisse. Je serai demain en Suisse, depuis la Suisse. Je vais vous partager mes pardonnez, rhinologie, là. Je ne suis pas dedans. Pardonnez, évitez. Je suis cher, c'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je mets en genou. C'est fini, ça. Arrêtez de m'emmerder. Arrêtez. Voilà. Arrêtez de m'emmerder. Arrêtez. Voilà. Arrêtez, mais de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder. Vous êtes nombreuses comme ça. Arrêtez de m'emmerder. Shalom.